Même s'ils le savent déjà, il faut que je leur dise, frère, le soutien de fou que vous apportez. Il faut qu'ils en prennent conscience de la dinguerie. Et en retard, en art plastique. Oh non, la map, elle a pas chargé, faut attendre, non? Slash tuck. Ah ouais, j'avais fait slash tuck là. Carré. Oh. Vu que je suis en retard en cours. Vu que je suis en retard en cours, j'ai peut-être un coup à jouer là. Inch'Allah, il a laissé la porte ouverte, frère. La météo quoi, Jekyll? HRP, non? Ah non, c'est pas HRP, frère. J'avais rendez-vous chez le médecin, j'arrive en retard en cours. Et la porte, elle est fermée. Mais regardez, hier on pouvait pas la crocheter. Fin des cours, cantine. Merde. Cam gauche mid. Ça me parle en mots-clés là. Mais c'est parfait, j'arrive, c'est la cantine, c'est excellent frère. Monsieur le surveillant! Ouais, dis-moi, mais t'es super en retard, Brandon. Je sais, mais j'ai un C'est mot, quoi, t'as j'ai fait un la grasse mot. mat? Non, non, j'ai un mot, j'avais mal au cœur et j'ai des problèmes de cœur, donc je suis parti faire... On a eu le message, t'en fais pas. Ok, c'est bon. Bah t'arrives parfaitement pour la cantine. Hein. T'as vu? Bah oui, moi j'adore l'espagnol. Problème de cœur, là, Deja que te diga cosa al oído Eh hey monsieur, est-ce que je peux voir l'infirmière pour le Japon? J'ai pas eu mon auscultation. Là, elle est pas disponible. Il me faut. Voilà, si tu traduis en français, ça voulait dire quoi? Oh, je suis dépité. Attends, moi je peux t'ausculter, moi. Non, mais de toute façon, t'as transféré ton non, je vais mieux aussi d'un dossier. coup, là. T'as transféré ton Ah, donc t'es dossier malade? Avec tes parents? Non, mais faut. Oui, j'ai transféré tout, mais c'est pour Ton le Japon. admission. À ton admission, t'as tout transféré? Oui. Ah, ça doit être bon alors. À la musique? On avait fait Il va chier rien, l'auscultation frère. Allez, au cas où il y a une grippe dernièrement. Ouais, Bobby, tu veux que je D'accord, ok. De toute façon, j'ai pas besoin de voir la. T'en fais pas. J'ai pas besoin de la fermer. Hein, Jordan, Jordan! On a eu quoi comme cours aujourd'hui? Je pouvais pas venir. Qu'est-ce que tu branles, toi? J'ai eu un mot d'absence. Je devais aller chez le médecin. J'avais pas le choix. Vas-y, bah, attends, viens, viens, viens. Celui qui a la coupe au bol, c'est quoi ton prénom? Brandon, pourquoi? Eh, hey Brandon, je peux te parler en discret après? Vas-y, vas-y, si tu veux. Je parle avec Jordan et après, reste là, j'arrive. Tu connais même pas son prénom et tu veux lui parler, toi? Ouais, parce que je le connais, mais j'ai oublié son prénom. Bah, s'il veut me parler, tranquille. Ouais. C'est pas ma meuf. Ouais, ça va, Nova? Bon, vas-y, tu t'es fait opérer des dents de sagesse, il s'est passé quoi là? Non, j'ai des problèmes de cœur, je l'ai jamais dit à personne, mais du coup, j'avais mon. T'inquiète, ça se voit, y'a pas besoin d'en dire plus. J'avais ma là, consultation. On a fait un cours de mode. Ouais. On a fait un défilé de mode. Il fallait s'habiller en quelqu'un et l'imiter. Il y a Tucker qui t'a imité, ce bâtard. Qui m'a imité? Tucker, Tucker. Il Tucker. Est revenu là. Ah, il ouais, est revenu. Ouais, je sais pas quoi là. Ouais. Et après, on a fait un cours de musique et il fallait chanter. Merde, j'ai raté le cours de musique, le cours de mode, allez, je m'en fous. Et là, on va aller au Japon. À la cantine. Ouais, ça, je sais, je suis arrivé pile pour le Japon. Ouais, ben voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Allez Ganesh, rejoignez vos élèves. Allez manger. Allez, tout le monde à la cantine. Vous êtes CPE, c'est vrai. Je suis sur mon plan final. Mais non, je suis en couple. Tu voulais me parler de toi? Ah ouais? Ouais, regarde, je t'explique après, Nova. Viens là, viens, Brandon. Vas-y, je suis là. Allez, les enfants, s'il vous plaît, à la cantine, tout le monde. Brandon, viens. Tu veux sortir avec Nova? Écoute, non, 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 non. J'ai un plan de fou, mec. Écoute. C'est quoi le plan? Les rouges. Tu vois les rouges? Ouais. Je les emmerde. Ok. Ouais. Ils ont attaqué la prof d'art plastique. Comment ça, ils l'ont attaqué? Laisse-moi briller, je t'en supplie. Il y a un rouge. Je peux te donner des infos sur les rouges, mais je veux que tu me prêtes ton taser. Et c'est quoi, tu me donnes quoi en échange? Je t'explique. Il y a un rouge qui a une baïonnette. Hein? Et tu veux le braquer? Écoute, regarde. Je prends le taser. Je prends un rouge avec moi, je vais devant la prof d'art plastique, je le tase et je lui dis « Ouais, t'as vu ce que t'as fait à la prof d'art plastique? Prends ça. Voilà. » Excuse-toi maintenant. Boum, coup de taser. La prof d'art plastique, elle va dire, je suis un homme, je suis un vrai homme, elle va vouloir me date.
Frérot, je pense que... Wesh. Ah, tu vois la grippe d'hier, ta mère, j'étais trop dans le mal, putain. Ah ouais, ça cache des choses ou quoi, là? Non, c'est... il me parlait d'un cours d'art plastique, mais je lui ai dit, je connais rien, quoi. En vrai, il veut sortir avec une meuf de ma classe, voilà, je te le dis. Ah là. Il veut sortir avec qui? Avec Nova, il me demande de... Ta gueule, je veux pas sortir avec Nova. Ah non, non il veut pas sortir. Avec la prof d'art plastique. Ouais, avec tout le monde, il veut sortir, c'est ça le problème. Ouais, c'est non, vrai que c'est non, ça, non, non. Eh, écoute, la prof d'art plastique, ça y est, je l'ai géré. Ah oui, il est amoureux comme ça. Eh, la prof de la plastique, je l'ai géré, c'est... Toi, tu veux gérer qui, toi? Moi, je veux gérer personne, je veux juste élucider les mystères. On a des choses à se dire, toi et moi. Ah ouais, c'est plutôt t'as des choses à me dire, non? Non, viens, on se parle sincèrement. Vas-y, dis-moi sincèrement. Toi et moi, on est pareil. Faut dire la vérité, on est pareil. On joue le bluff, on est des putains d'hypocrites tous les deux. T'en as rien à foutre de ton équipe, on est d'accord. Tu te sers d'eux pour améliorer ta condition dans l'école et ton avancée dans les énigmes. Bah ouais, moi j'en ai rien à foutre. Moi je te dis, ma classe me déteste. Écoute. Ouais, je suis avec ma classe et là on vient de finir le cours. J'ai tellement hâte d'aller au Japon. Écoute. J'écoute. J'ai besoin d'une valeur sûre. Attends, viens, on s'écarte. Parce comment que... ça, mon ref? Ça va ou quoi? Mais comment ça? Mais t'es parti. Salut les rouges, ça va ou quoi? Comment ça, tu veux pêcher la prof d'art plastique? Ça va, ça va. J'ai raté deux cours aujourd'hui. Ouais, même moi. Eh, y'avait Messi! Vous avez vu Messi? Y'avait Messi? Ouais, on a mis une patate. Bah oui, mais vous voyez trop de trucs que nous on voit pas, on est pas dans la même école. Y'avait Michael Jackson, y'avait Messi, à chaque fois on me raconte un truc de fou ici. On a mis une patate, c'est vrai, y'avait Messi. Après, faut juste venir peut-être, monsieur. Amine, viens en cours. Amine, viens. Mais moi, je vais en cours. Ah bon, j'arrive. Eh. Bon, on remet ça plus tard. Vas-y, on remet ça plus tard. Vas-y. Eh, du coup, c'est bien ou pas? Du coup, c'est bien, mais je pense que ça va servir à rien. Hein. Et je vais juste perdre mon taser, c'est ça le problème, c'est ça qui va se passer. Putain, c'est chier. Je sais ce qui peut toucher la prof d'art plastique. C'est pas la violence, tu l'entends quand elle parle? Ouais, je connais le docteur. Elle a une voix toute mignonne et tout, elle est pas là pour... Elle aime pas la violence, c'est pas son style. Okay. Les mecs qui vont venir et qui vont casser la gueule de l'autre pour impressionner, ça déjà ça marche avec personne. Ça marche qu'au collège et on est au lycée. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois lui écrire un poème et lui réciter devant tout le monde. Et là, ça prouvera que t'es un homme parce que t'as pas. Mais je l'ai déjà fait. Non, devant tout le monde. Prochain appel. Tout le lycée. Bah, c'est quoi le poème? Ah non, j'ai jamais fait devant tout le lycée. Devant tout le lycée, quand ils vont faire l'appel pour le Japon, c'est là où toi tu rentres et tu lui dis un poème devant tout le monde. Là, devant toi, ouais, elle va te recaler et tout. Je sais que c'est dur, hein. Elle va te recaler et tout. Mais là, elle saura qu'en toi, c'est ça un vrai bonhomme. C'est ça un vrai bonhomme. Mettre un coup de taser à un autre élève, c'est quoi? T'as rien fait de spécial, hein? Ouais, c'est vrai, tout le monde peut le faire. Alors qu'un poème devant tout le monde, bien humiliant, ça, c'est ça qui va la toucher. Prof d'art plastique. Dans art plastique, il y a art. La poésie, c'est de l'art. Donc voilà, c'est simple. C'est simple. Vas-y, écris un poème. Sers-toi de chat GPT sur ton téléphone, fais un truc. Et dès qu'on fait l'appel pour le Japon, là tu vas et tu lui déclares ta flamme. Et il ne faut pas que tu paniques, bégaye pas, hein. Faut que je me fasse clean. Ouais. Ok, ça marche. Crie que je suis un bonhomme, vas-y, crie que t'es un bonhomme. Je suis un bonhomme. Non, crie. Je suis un bonhomme. Non, crie plus fort. Je suis un bonhomme. Non, pas comme ça, putain de merde. Je suis un bonhomme. Je suis un bonhomme. Je suis un bonhomme. Plus fort encore! Je suis un bonhomme! Voilà! Ouais! Voilà, tu sais ce que t'as à faire maintenant. Ok, vas-y. Bon, on occupe. Si. Oublie pas, hein. C'est quoi, tu pars? Il est au Bachir. Tu manges quoi? Tu manges une bête? Il t'a donné ça comme ça, cadeau. Eh, le jaune avec la coupe carrée, il est où, Bachir? Ah oui, d'accord. Je mange aussi, mais... Non, il est pas là. Vous êtes végétarien, avec un machin. Et puis c'est légumes. Putain, il est pas là, non. Pourquoi il est pas là, frère? Bachir Zebi. J'ai besoin. Monsieur le surveillant? Dis-moi. Vous avez les clés de la bibliothèque?
Pourquoi ? J'avais un rendez-vous hier avec le prof d'histoire, enfin le prof de la bibliothèque, et j'ai oublié quelque chose dans son bureau. Vous pouvez me l'ouvrir rapidement ? Vous avez pas ? Justement, j'ai pas, bah non. Ah merde. Elle est fermée là, il est pas dispo, je crois. Ouais, mais justement, j'avais besoin de quelqu'un avec les clés. Juste pour récupérer mon sac. Non, je les ai pas, je les ai pas. Tain, c'est là-bas que j'ai tous mes slips pour aller au Japon. Vous savez qui je peux contacter, qui peut m'aider ? Bah, essayer de retrouver le prof, hein, peut-être. Ah ouais, peut-être, c'est vrai. Vous pouvez m'ouvrir les dortoirs, s'il vous plaît ? Ouais, j'y allais. C'est peut-être déjà ouvert, couillon. Et vous avez la clé des dortoirs ? Ok, je vais le baiser. Monsieur le surveillant, vous êtes où ? Pas le choix, faut y aller, frère. Il est où, Zabil ? Il est parti où ? Il y a le concierge. Monsieur le concierge, j'ai besoin de vous. Oh, Brandon, comment vous allez aujourd'hui ? Ça va très bien, et vous, monsieur le concierge ? Vous êtes encore en vie, alors qu'est-ce que vous avez fait au proviseur ? Oh oui, ça va, on s'est expliqué, mais tout va mieux. Voilà. Il me laisse toujours pas aller au Japon, par contre, mais c'est pas grave. Bon, je vais essayer de faire en sorte de vous ramener au Japon, mais j'ai besoin de vous. Vous avez pas les clés qui mènent à la bibliothèque ? Les clés de la bibliothèque, je l'ai pas. Non. Ils m'ont tout enlevé. J'ai pas le droit d'y aller à la bibliothèque. Putain. Mais vous avez pas vous voyez avec le prof de théâtre. Mais je sais, c'est lui qui s'occupe de la bibliothèque. Ok. Essayez de vous renseigner. Merci, monsieur le concierge. Bon courage. Pas de soucis. Ouais, ça, du coup, ils ont fait ça. Mais je peux pas rentrer, les gars. Il faut un truc pour rentrer ici. Je l'ai, le tournevis, hein. Faut quelque chose d'autre. Putain. S'il y a le mec de la chambre. Il va y avoir un surveillant, au moins. Fait le bail, mais ça fait R. Putain. C'est bon alors. Ouais, on va faire le bagage. Ah bah, ça fait ça pour moi. Vite. Monsieur le surveillant, j'ai besoin de vous, urgence. Mm-hmm. Je vais tout vous expliquer. En gros, hier soir, j'ai dormi avec Bachir et ma valise est là-bas. Et le problème, c'est que je le vois pas et il a fermé la porte à clé. Mais j'ai pas les clés du dortoir, moi. Qui les a ? Ganesh, peut-être ? Sûrement, ouais. Et vous savez où il est, Ganesh ? J'ai mis la place. Absolument pas. Mais vous savez rien, monsieur le surveillant. Les bagages, faut les traîner, hein. Faut pas les soulever comme ça. Ah, va le trouver, toi. Mais justement, j'ai besoin de vous, moi. Sinon, je vais pas avoir de bagages pour le Japon. C'est pas des petits joueurs. Tu vas devoir y aller avec tout slip. Mais il est malade, celui-là, frère. Sert à rien, ce mec. Si tu arrives, ça va, Romuald, à me ramener tous tes collègues en ligne droite, je vous donne plus. Attends deux secondes, j'ai un problème de valise. Jamais allé au Japon, mec. C'est le pays de la mer. J'ai trop hâte. Ganesh, j'ai besoin de toi. Oui, dis-moi tout, Brandon. Viens, je t'explique là-bas. J'ai des problèmes pour ma valise. Viens. En gros, je dormais avec Bachir hier. Parce que ça sentait très mauvais. On m'a fait un piège dans ma chambre hier. Et ma valise, elle est dans sa chambre. Sauf qu'il est pas là, Bachir. Je crois qu'il a pas le droit d'aller au Japon. Vu qu'il a pas de visa. Et du coup, il faut m'ouvrir la porte. Allez, on accélère le pas, les enfants. C'est bon, je l'ai trouvé. Merci, monsieur le surveillant. J'ai dit merci, là. Ça rien. Quelle est ta chambre ? Numéro 3. Ici ? Ouais. Faudra refermer derrière parce que Bachir il aime bien qu'on ferme derrière. Oui, poussez-vous. Monsieur Ganesh, comment on prend le bagage ? Allez-y. Oh, merci beaucoup. Ah, Bachir. Bachir ? Comment il on dort, prend le bagage, monsieur c'est Ganesh ? C'est simple. Ah oui, j'avais. Vous pouvez regarder, hein. C'est juste au-dessus de votre tête. J'avais besoin de mon calepin que j'avais laissé ici.
Comment ça? C'est où le... Ah. Eh Bachir, je te le ramène tout à l'heure. Monsieur Brandon, qu'est-ce que vous faites de chambre en chambre? Non mais justement, c'est celle-là, ma chambre. Je prends juste mes slips. Parce que j'ai plus de slips. Du coup, l'autre chambre, pourquoi on m'a demandé de l'ouvrir? Bah c'est bon en fait, je voulais juste prendre mon calepin, c'est tout. J'avais besoin de mes mangas pour l'avion. Allez, on accélère. Oui, désolé. Mais les gars, c'est comment, frère? Ah ouais, c'est écrit en haut, je suis trop con. C'est bon, j'ai tout. Allez. Tes voisins sur les Teams. Mais what the... Eh, hey, tout le monde devant, là, on vous attend, s'il vous plaît. Attends, mais dans l'avion, on va se faire contrôler, non? Cette porte n'est pas enregistrée, Zebi, frère. Je vais garder l'outil de crochetage, je veux dire c'est un coupongle, mais le... Il faut que j'aille ranger. Les gars, notre classe, ouais. Elle a aucun bus. Par classe, par classe. Aucun bus. Bah vas-y, on squatte. On devrait voir la colonne, normalement. Allez-y, accélère plus vite. Ah, oh, David, t'as reconnu. Non, le tournevis, on garde, la radio, on met là-bas, ça, on met là-bas. Les retardataires n'iront pas au Japon, je précise. J'ai des balles j'ai des balles armées, frère. Le problème, c'est que si on... En fait, j'ai peur qu'on en ait besoin. Nique sa mère, je prends le risque. Si on le perd, Bachir va vouloir me tuer. Déception pour tout le monde est là, c'est bon. Vous avez tous raté la jolie éclipse solaire, hein. On vient d'avoir un instant. Écoutez, je vais vous annoncer dans un premier temps les deux groupes. D'accord. Il manque des gens ici, là. La classe numéro 4, il vous manque des gens. Où sont Flou. Où ben, non, Amine, il est à la chasse. Monsieur, il est aux toilettes, il fait caca. Oh, il a trop de mais il nous a dit partez sans John, lui. T'as pété les plombs. Hey, John, t'as trop de flots, donne ta tenue. Si, il a dit partez sans moi. Eh les gars, je suis en mode. Mais ouais, il a trop de flots. Je suis en mode kawaii. Ah ouais, t'es en mode... Oh. Bah là, il va se fondre dans le décor, hein. Kawaii né de fou, là. T'es en mode gros kawaii. Bachir, il est où? Il était là. Eh, Théma. Bah non, il est pas là. Non, il était là. Je l'ai vu, Eh, Rodolphe, Théma, il y a une baleine sur mon pull. Il est revenu, il a dit il est en retard. Ton quoi? Sur mon pull. Ouais, on dirait qu'elle a craché la bouillie, genre. En fait, je rappelle que vous allez avoir de l'argent, hein. Donc si vous voulez passer... Parfait. Je vais écraser les Japonais. La classe numéro rouge devant moi, je vais vous distribuer vos billets. Venez, en face. Un par un, reculez. Reculez, s'il vous plaît. Il y a de moins en moins. On va aller au Japon, là, ça va être incroyable. Ouais, on va découvrir un nouveau pays. Attends. Vas-y, faut y aller maintenant. Écoutez, pour l'instant, tout le monde va partir, sinon. On verra. Ton prénom et ton nom. Mais j'ai pas encore écrit toi, putain. C'est pas grave, vas-y avec l'inspiration. Tu vas y arriver, t'en fais pas. Mais vous avez révisé votre culture. Allez, vas-y, c'est maintenant. Tu m'as tout à l'heure, t'as crié quoi? Vite, faut y aller maintenant. Tu vas déclarer ta place. Allez, vas-y. Allez, Romuald. Allez, vas-y. Romuald. Et voilà. Romuald. Prochain. Peux faire un discours devant tous les élèves avec vous? Je crois que nous sommes assez pressés. Il y a l'organisation qui s'est fait pour le Japon. Attends, le Japon, parce que vous inquiétez pas, madame, on a le temps, franchement. C'est mieux au Japon. Après, c'est le spectacle. Il y aura belle fleur et tout. Devant moi, pour les billets. Vas-y, ne pars pas tant, vas-y. Vas-y, on écoute. Mais non, elle m'a dit au Japon. Mais c'est à toi d'y aller, vas-y, bordel. Mais je suis dit.
Vas-y, allez. Putain, elle est là. Ciao. Ciao. Attends, il vous a battu un vétro. Bah, tu vas voir au Japon. Tu vas voir au Japon ce qu'on va faire. Ça va te foutre la tête au carré. Tu vas voir ce qu'on va faire au Japon. On va niquer ta classe. Bien, les gars. Tu vas rien faire. Vous m'avez appelé. Tu vas me la présenter. Et oh, ton prénom? Ouais, que pas une plus peut-être. T'es bien ou tu veux que je me mette avec ta sœur là? Ouais, je me mettrai avec ma sœur. Tu vas voir ce qu'on va faire. T'as tapé qui, un V3? T'es un mec bien pour ma sœur Elsa. T'as tapé qui? Ah ouais, c'est vrai que je suis un mec. Elle là, la meuf devant, et j'ai tapé la meuf qui est tout le temps nue là dans ta classe. Le zouave devant là, tu peux avancer s'il te plaît? Prochain. Ouais, comment il parle? Le zouave, je suis pas le zouave. Eh, Steven Seagal, tu sais comment il parle? T'as mis des chips, bâtard. T'inquiète, on va le régler au Japon, il pourra pas courir. Si. On va régler. C'est carré. Bonjour. Le billet, s'il vous plaît, monsieur. J'adore, c'est mon prénom. Amine, vous êtes en retard, vous. On est tous en rang comme des bons chiens là. Tu es en retard, Amine. Oui, si vous le dites. Amine, il est en retard, monsieur, il doit pas venir normalement. Prochain. Ouais, de pratiquer. Il y a un souci. Kurosaki, Kurosaki, culez tout le monde là, je veux de l'espace, reculez. Reculez. Comment on recule? On recule comment? Eh, tu pars trop fort. En marchant à l'envers. Que tout est putain. Je suis japonais, domo. Pays du soleil levant. Ça va? Brandon, cheers, bon bah. Soleil mortel. T'as tes beaux yeux. Au Japon, les amis. Ah ouais. T'es parti pour le Japon. J'allais bien, madame. Ah ouais, j'en vais jamais capter. Merci. Et alors? Comprenons. Oh, tes yeux. J'aime bien. Ça coche. C'est vrai, ils sont sans douf, man. C'est mon petit mal désert. Non, je trouvais le genre. Mais t'as vu ce que t'avais à faire? C'est bon, le mal désert. Non, pas encore, mais je ferai ce que j'ai à faire au Japon et je te le rendrai. Oh, bonjour, monsieur. J'ai raté le cours de musique. Au Japon. Salut, Brandon. J'ignore, c'est ça? À l'aéroport, on va? Au Japon, on va. Je veux ta dégaine, moi. Mais merci, en bus? Bah, on va pas y aller, on va pas y aller en bateau. Mais en avion, on va y aller. Bah du coup, on va à l'aéroport. Mais il y en a plusieurs. On va tous au même, non? Je te propose de suivre les deux premiers. Je sais pas lequel, je sais pas lequel, lequel on prend. Ah, c'est ça que tu m'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit pourquoi une cascade? Ah, moi, ça m'a dit. T'as Naruto, c'est torse nu, il est fait sur la cascade. Ah, ouais, ouais. Man. Le pauvre, man. On a 5 minutes pour chier, Ganesh ou pas? Ah, on va devoir prendre l'avion. Ah, mais post-caca, il est trop fait. Mais chaud. Mais j'aime quand t'es méchant comme as. Ganesh, on a 5 minutes pour chier ou pas? Ah, c'est beaucoup. Faites vite. Et tu m'as fait mal au cœur. Ouais. En fait, Tournevis, on range. En vrai, j'ai envie de ranger toutes les fiches, comme ça, ça me prend pas la tête là-bas. Les gars, j'ai envie de monter et d'ouvrir le bureau du proviseur. Mais si je rate le bus, on est foutu, frère. La file était longue encore. C'est le meilleur moment. C'est impossible que le proviseur il soit dans sa salle. Informatique ? Frère, la fois on était venu ici, non? Bachir, il m'avait dit que c'était ici. Merde, c'est en haut.
Rooftop. Vite, 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 bordel! Ils vont pas partir sur moi, je lui dis que je suis parti chier. Et c'est bon, j'ai eu les infos de ce que je voulais. Non, vite! Je vais pas rater le Japon! Je peux faire de la dinguerie, les gars. Y'a plus de famille, tu vas rentrer. Personne qui sont dessus là. Je vous laisse 30 secondes. Je suis en train de chier. Y'a plus de place. Moi aussi, y'a plus de place. Y'a plus de place. Y'a un bus là. On monte dans celui-là. C'est le bus de la classe des rouges là. Ouais, exactement. La classe des LHS. Les LHSers. Chauffeur. Si t'es champion. Wesh, comment je rentre? Les gars, à votre avis, on se retourne combien de fois? T'as dit quoi? Franchement, ça au minimum 3. Eh, Romuald! Ouais! T'es trop stylé! Oh, je suis trop stylé! Romuald, tu t'es chié dessus devant la prof d'art plastique! Mais oui, mais attends, je vais le faire au Japon, je t'ai dit! Mais non! Tu devais faire quoi? Janamine, vous rappelez le sale que j'ai mis à la prof d'art plastique tout à l'heure ou pas? Tu l'as fumé. Tu l'as fait quoi? Elle est incroyable, vraiment. Mais tu lui as fait quoi exactement? Ils m'ont surpris, ils sont rentrés à la récréation, ils m'ont surpris dans la salle de vestiaire, là, dans sa classe. Ah ouais, la salle de vestiaire. Et je lui ai fait une prise, je crois, elle existe même pas encore dans les livres et tout. Mais pas du tout, frère, la prof d'art plastique, elle est pas comme ça, fermez vos bouches. Bah, pas avec toi en tout cas, mec, moi oui. Mais pas du tout, toi. Vas-y, tais-toi. Toi, tu racontes de la merde, toi et tes potes, de merde. Bah, à la fois, le proviseur et la prof d'art plastique se l'ont donné, hein. Mais oui. Regardez, Romuald, t'as géré qui dans cette école pour l'instant, là? J'ai rien géré. Rien géré. Nous, tous ici, on a fumé une meuf. T'es le seul qui a rien fait. T'es un putain. T'as un mytho, vous êtes des menteurs. Moi, j'ai géré Kaina, la prof d'art plastique, et maintenant Léo. Voilà. Et toi, Boustouf? T'as géré qui, Boustouf? Moi, j'ai géré grave des bugs. J'ai géré au moins genre 6-7 bugs. Voilà. Et toi, Brandon? Moi, j'ai géré personne, mais c'est parce que c'est par choix. Hein. Je voulais gérer personne. Voilà, par choix. Il est asexuel, lui. Moi, je suis asexuel. Ça m'intéresse pas. T'es quoi, asexuel? Ça m'intéresse pas, le sexe. En gros, t'aimes pas le sexe? En gros, j'ai un zizi, mais je bande pas, donc ça change rien. Ouais, il a des problèmes d'érection, du coup, je fais. Faut pas se moquer. Moi, je bande sur personne. C'est pas un bandeur. Mais on va prendre le métro là. On va arrêter là. Sur le trottoir. On va arrêter là, les gars. Il est où l'aéroport? On est trop kawaii. Par deux, on y va. On va bien vite. Silence, tout le monde. Par deux. On y va. Devant moi. J'ai demandé silence, tout le monde. Et deux par deux. Viens. On peut se mettre avec un professeur? Quelqu'un veut se mettre avec moi? C'est vrai, t'as raison, viens avec moi, baby girl. Viens, Brandon. Écoutez-moi maintenant, à partir de maintenant, vous allez faire silence. Et vous descendez calmement. Je suis avec Sefiou. Groupé, merci. Sefiou, il reste encore deux par deux, les gars, s'il vous plaît. Soyez cool. Non, c'est Chorizo là, c'est lui là. Le Japon, il me va bien, mes cheveux dépassent pas trop. Ah ouais, t'es trop beau. Mais oui, t'es sûr qu'on va vraiment, il dépasse pas. Mais non, on va à Créteil, les gars. Mais c'est bizarre là. Mais prends le métro pour aller au Japon. Non, mais les gars, on va à Créteil Soleil. Wesh! Les gars, Nova, elle est habillée dinguerie. Oh, arrête ton man, hein. Mais t'es méchant! T'as pas fait l'amour avec elle?
N'oubliez pas un flot de fou, les You, viens. Quoi? Oh, non, pas. Ouais. Non. Le mec abuse l'enquête. Le mec abuse l'enquête. Oh, wow, t'as bus là. T'as bus. Quoi? Bah, je sais pas. C'est Nova qui l'a dit. Non, non, ils ont pas baisé ensemble. Ils ont pas couché ensemble. Ça va, oui. Ouais. Je marche tranquille. C'est vrai qu'il a un micro pénis. Ouais, un tout petit mini. Tu vas dormir. Un melon. Ouais, voilà, je vais t'acheter un melon japonais. Mais pourquoi un melon japonais? Tellement petit que ça m'a fait un appel d'air carrément. Okay. En fait, les You, je me rends compte que t'es ma meuf, mais je me rends compte. Ah ouais, baby girl, tu me choques, baby girl, tu me choques. Ah ouais, ouais, t'es ma pote. Choque mon cœur là. Elle a le Matrix, c'est de l'enquête. Il parle que de zizi dans cette école de merde. Désolé, les You, parce que je teste tes limites pour savoir si tu comprends ce que je dis ou pas. Pourquoi tu testes? Moi, c'est toujours sorti avec toi, ça te fait jamais de mal au cœur. C'est vrai, les You. Est-ce on que a tu me des énigmes de fou, un lore de fou. Eux, ils parlent que du game. Je vais rentrer calmement, pour rentrer dans le train. Allez-y. Hello, Bobby, ouais. Allez, on y va. On dirait la série de Nawel Madani. Calmement, j'ai dit. Calmement. On va vraiment à Tokyo, là, en fait. Ah, t'es toujours calme, Kevin. Bah oui, Captain Obvious. Allez-y. Oula. Allez-y, on va y aller. On va m'asseoir. Oh, je peux rester debout, ça me donne envie de vomir le train. Allez-y, on accélère. Ah ouais, je me suis baissé. Tu devrais t'asseoir parce que ça risque de se remuer un peu dans l'essence. Bien joué, Aziz. Ah putain, je vais avec les profs. Eh, Brandon. Quoi? Tu devrais t'asseoir, Aziz. Tu me plais bien, toi, Brandon. Ah oui, je suis mignon un peu dans un sens. Ah oui, là, si toi. T'es mignon, mais. Tu sais, moi ce que j'aime c'est pas le physique, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ça me plaît bien. Ah ouais? Excusez-moi. Ouais. Je pourrais pas en dire autant puisque je te connais pas de l'intérieur. Ouais. Ok. Tenez-vous, Amine, j'ai pas envie de vous. Amine, tu devrais t'asseoir. Ouais, assieds-toi, tu vas vomir sinon. Ah, c'est moi qui ai tous les billets, monsieur. Si j'étais à côté de toi, j'aurais pu t'aider. Putain, je... Les Russes, on se lève pas pendant la marche. Stalingrad. Mais ils ont fait l'Eurostar entre les USA et le Japon. Bah oui, mais c'était pas quoi. Bah, l'aéroport là, non. C'est 9000 km en train quand même, on va y arriver dans un mois là. Oui, mais on utilise le Shinkansen Express. Ah, Shinkansen Express. Reliant les Amériques à Tokyo en seulement 3 minutes. Construit en 2018, ce train est à la pointe de la technologie. En 3 minutes, c'est pas de notre héros, ouais. Les Coca ? On est arrivé ? Non, c'est le prochain arrêt. Prochain arrêt, next station. Et le Japon, ça sent la douille là. Je pense que. On va aller à Chinatown, on va aller. Là. Oui, tu vas carotte, genre. On va aller au quartier japonais de Los Santos. Ah, oui. Mais ça s'appelle Chinatown, mais c'est pas japonais, wesh. Bah ouais. Ah ouais, comprends pas. Eh, comprends pas, jamais quoi. Fais attention à ce que tu fais, hein. Au Japon. Eh, voilà. c'est pareil. C'est pas pareil. Non, vas-y, on va. C'est pas pareil. Je vais me plaindre au professeur, je suis japonais et là, tu fais preuve de racisme. Ah putain, il est japonais, lui. Ma mère est japonaise. Elle est où? Là. Bah c'est bien, au moins tu vas pouvoir aller la voir en vrai. Mais elle habite pas au Japon. T'es où? Ah bon? Non. Moi j'ai jamais voyagé de ma vie, je suis resté à la ferme tout le temps. Ah, ça se voit, hein. Ça se voit. Allez s'asseoir les mannes. D'ailleurs tu viens d'où? Quoi? Ouais, je viens d'ici moi. Moi je mets qui a dit que j'étais pakistanais? Ah t'as tué Aziz. T'as deux mais t'es raciste ou quoi toi? Mais c'est lui qui a dit ça. Bah lui il est raciste, il a grandi à la ferme, c'est normal. Ouais, moi c'est normal. Bâtard. Enfoiré. On a perdu Kevin. Okay, attendez deux secondes. Ah, il est là, il s'agrouille, il est là. Oui, dites-moi. Mais on vous a dit de vous asseoir. Oh. On est arrivé au Japon. Vous avez jamais été à Disneyland? Non, pas encore. Oh, quand ils vous disent gardez bien les mains, les bras, les pieds et les jambes à l'intérieur du wagonnet. Keeping arms, hands, feet and legs inside wagonette. Mais monsieur, là on est dans un TGV. Asseyez-vous les enfants. Alors pourquoi pas vous? Mais y'a pas de looping ici, donc on peut rester debout normalement. Bah, quand même, le train du poids il traite d'un coup. Oh, Amine! Je te conseille quand même de t'asseoir, on sait jamais. Ah, moi je bouge pas. Il est tombé, Amine, je crois. Ah non. Non, je suis là. Il est où, Kevin? Non. Il est au premier wagon. De toute façon, Brandon, t'es un homme intelligent, toi. Je l'ai vu dès le premier jour. Bah, ça sent, hein. Alors que quand tu regardes Jordan, c'est pas forcément. Brandon, t'avais pas une autre cible à te faire là? C'est vrai, les gars, vous savez, c'est trop facile. Vous savez, Brandon, c'est le fils du proviseur. Mais qui aime bien taquine? Qui aime bien taquine? Bah, ouais, c'est vrai, je t'aime bien, Boustiflo, en vrai. Il a la même coupe que son père. Ouais, c'est le fils de proviseur. Qui, moi?
à tous ces Ouais, ouais, fais semblant, ouais. Non, je le connais pas. Le mec en bleu devant moi. Oui, c'est ton fils. Mon fils, carrément. Non, t'es son fils, t'es son fils. C'est vrai, ça, Brandon? C'est faux. Le conducteur. Ma mère est japonaise, mon père est américain. C'est le meilleur, monsieur le conducteur. Pas le proviseur, ah, oui. Je suis né dans le Connecticut. Eh ben non, je rigole. Merci. Ah bah non. Terminus. Oh, dans le Japon ? Tout le monde descend calmement. À tous les élèves, vous pouvez pas. Attendez, je sais pas en fait. Hein. On est au Japon, c'est mon pays. C'est chez moi. Sérieux ? Bienvenue chez vous, Brandon. Maman, je t'avais dit que je viendrais un jour au Japon. Tout le monde de par deux. Vous êtes sûr qu'on est pas à l'aéroport ? Allez, c'est normal, vous êtes fatigué, c'est le décalage. Je joue à quoi là ? Allez, remontez. Deux par deux. Il est recalé. Oh le karma. Let's go. Allez, deux par deux, on monte calmement s'il vous plaît. Allez, deux par deux. Allez, deux par deux, arrêtez de gueuler. Allez, c'est parti. Deux par deux. Putain, j'allais faire un truc de ouf, je suis dégoûté. Ça va, ça va. Même si j'ai l'impression qu'il y a un léger froid entre nous. Entre toi et moi? Ouais. Bien. Bah non, pourquoi? Oh, je sais pas, la dernière fois qu'on t'a vu. T'as dit quoi avec ta main gauche? Ah, disons que... Rien d'autre, elle dit pas pareil en tout cas, t'as le devoir, enfin bref. J'ai failli avoir des bricoles quoi. Ah. Mais non, t'inquiète, hein, y a pas de froid. D'ailleurs, je voulais t'en parler plus tard. Ok, ok, bah on se parlera quand on sera à l'hôtel au Japon. Arrivé. Ouais, bien sûr. Ouais, carrément. Attends, comment ça, on va dormir là-bas? Bah, on va pas revenir là. On va dormir là-bas, non? Ouais, c'est vrai, il a pas tort, à mon avis. J'ai l'habitude de prendre les bains. On va pas au Japon pour pas dormir là-bas. C'est vrai, il a pas tort. Le voyage, il a coûté cher, ils doivent rentabiliser sur le nombre de jours. Avec la pêche. Eh, mais moi, ça se passe. Passez vos tickets. On repasse ton ticket, les enfants. Tu veux des Allez, on place le ticket. Passez vos tickets. Hein. Voilà. Ok, c'est bon. Ouais. Ouais. Amid, il a plein de soucis, ouais. Vous allez voir, il est Bah, je sais pas, Léo avait des soucis. Ça sent la merde. Je veux manger des sushis. Mon sang, toi, ça sent la merde. Toi, t'as bien changé depuis le premier jour. T'étais tout mignon, tout ça, là. Tu fais, on va boire. Tu parles de qui? De moi? Mais c'est normal, il fallait que je m'adapte à ce qui se passe ici. Dans tous les cas, tu veux que je fasse quoi, moi? Arrête de crier. Je crie si je veux, d'accord. Bah crie plus fort alors. Vous vous regroupez calmement s'il vous plaît. Pas de dispersion, d'accord. Faut le baiser, Ganesh. Ah bah commencez à rentrer à l'aéroport. J'ai repris une boisson, celui qui l'insulte. Ouah, on est à l'aéroport, putain. Parfait les enfants, on y va. Ouais, super. Allez, on va y aller. Génial. Ah, j'ai flop. On est à l'aéroport. Ouais, c'est mieux que rien. Je sais pas pourquoi tu te mets à côté de Leona. Attends, je te parle de Zoom. Eh, hey, toi, t'avais un outil de crochetage. Mais toi, gros, t'as trop de meufs. De quoi? Non. T'avais un outil de... Parce qu'il y a un élève qui m'a dit que t'avais un outil de crochetage. Qui t'a dit ça? Je te dis pas, mais hey, dis-moi la vérité. J'en ai peut-être un, pourquoi? Quand tu l'utilises, il est réutilisable ou pas? Bah, je te laisserai découvrir par toi, mais ça te mettra un peu de stress. Sale chien. Oh, les gars, là, vous foutez quoi, là? Dépêchez-vous. Ah, désolé. Eh, hey, toi, ta grand-mère, toi. On s'en fout en retard, parce que là, l'avion, c'est pas gratuit, hein. Allez, surveille mieux, le surveillant. J'enchaîne depuis un sacré buzzer. Mais en fait, tu sais qu'il a sorti ses couilles en pleine course, ce surveillant? Mais il s'en fout, lui, il en a rien à foutre. Bah ouais, parce que... Il est là, il fait rien, il prend son salaire, c'est tout ce qui l'intéresse. Toi, tu les manipules, quoi. Tout à fait. Ouais, mais c'est pas bien de manipuler les gens, non plus. C'est très bien de manipuler les gens. Non, faut pas manipuler les gens. En fait, faut que tu comprennes que dans la vie, soit tu te fais manipuler, soit tu manipules. Donc, faut choisir. Non, tu peux. Mais le prof de sport, il manipule autre chose, lui. Ouais, le prof de sport, il manipule d'autres choses, j'ai l'impression. Les grosses culs, hein. C'est ce que vous voulez dire, les jeunes. Hein. Non, moi, c'est direct, ouais. C'est franc. Hein. Wouah! Comment de vos bagages, hein, incroyable. De votre billet d'avion sur la droite, qui se trouve là-bas, d'accord? Calmement. Après l'enregistrement, je vais vous donner un petit temps libre. Vous aurez l'occasion. Vous aurez l'occasion d'acheter des habits, des cadeaux, vous changer de coiffure et aussi de vêtements, entendu? Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que vous soyez calme à l'enregistrement. Allez, venez. Ouais, ben il faut le 2000$. Kirby, change de coupe, cousine. John, non, elle est très bien, ma coupe. John, j'ai pas oublié ton chapeau dans l'aéroport. Interdiction de sortir de l'aéroport. Interdiction de sortir de l'aéroport. Interdiction formelle de sortir de l'aéroport. Tu peux en train de parler ou pas? Ceux qui sortent de l'aéroport n'iront pas au Japon. Non, je vous doug. Ah d'accord. Vas-y. Fucking play bizarre.
je vais te jure, c'est faux. C'est qui, monsieur? Non, je suis plein, non. C'est votre image avant tout, les gars, le bahut. Soyez cool, s'il vous plaît. Ah ouais, une écorche, il en voyage. Bah écoutez, au Japon. Au Japon, t'as bonne mine aujourd'hui. Ah ouais, je sais, mais je vais vous l'entendre dire. C'est Saint Thomas. On va voir le soleil levant, Michel. Mais tu parles Michel. Ouais, comme le monde, comme le gâteau. Voilà, c'est ça Michel. Il y a des enfants coopérer avec la douane qui vont contrôler vos bagages. Coopérer, s'il vous plaît. Eh, c'est pas ton daron là. Amine, Amine, Amine. Ouais, c'était Aziz. Ouais. Viens, viens vite fait, viens vite fait. Moi, viens. On sort de l'américain, c'est sérieux, on sort de l'Afrique. J'ai entendu ton secret. Quoi faire, rien. Ouais. Putain, j'ai un plan. J'ai un plan. Passe derrière moi, je monte ma valise, et après je remonte ma valise. On échange. Monsieur, je donne ma valise et je fais en sorte de la récupérer, et tu reprends la valise, tu vois ce que je veux dire? Je donne ma valise. En gros, je donne ma valise, il scanne ma valise. Ouais. Et ensuite, je la reprends. Genre, tu lui parles et moi je la reprends. Une fois que je la reprends, je te la passe et moi je prends ta valise. Et du coup, tu fais quoi avec? Bah du coup, elle est pas contrôlée. Mais non, mais là c'est pas l'endroit où on leur laisse les valises. Ah, t'es sûr? Bah oui. Bah regarde, tout le monde repart avec sa valise, c'est ça que je te dis moi. Mais non, ils l'ont pas. T'es sûr de toi? Oui. Oh non, pas Bobby. Silence, vous rentrez en silence, s'il vous plaît. C'est un terroriste. S'il vous plaît, soyez présentable, Comment? On est présentable. Je parlais à Nova. Votre billet et vous mettez votre valise sur le côté, s'il vous plaît, monsieur. Non, t'as raison en fait, je crois. Bah oui, on laisse les valises. Ouais. Voilà. Il fait quoi lui? Hé, John, monsieur, sorte de mythe. Bah chérie, je fais contrôler comme t'as l'habitude de faire. Non, mais les queues comme t'as l'habitude. Hé, va te faire la queue, je t'ai dit. Mais non, mais c'est trop long. Va te faire la queue. Hé, le céréal soccer, t'as fait la queue là. Bonjour, on avait dit quoi? Votre bagage sur le plateau. Ah si. Ah si, bien sûr. C'est bien le cœur. Donc il y a l'adresse qui est le compte Instagram aussi madame qui est très important, mais qu'on a eu des soucis. On a eu des soucis après pour indiquer le compte Instagram aussi madame. Ah, il y a des trucs. Il veut pas parler de lui. T'aimes bien les longues queues. Très bien madame, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors je vais faire, je vais m'abonner à vous. Et Amid, on est à l'aéroport, on va être obligé des gens. Ouais, c'est vrai. C'est non, bon madame la prof. Non, il veut juste pour le contrat. Ah, Jordan, toi aussi t'as des problèmes. Alors attendez. Hop, ça c'est mon steak haché mes œufs. Ça c'est ma chouk-chouka. Ça c'est mon autre source. Tu veux quoi toi? Attends toi. Vas-y, t'as pas. Madame, il n'y a pas de problème. Et c'est bon madame, c'est tout bon. Pourquoi j'ai fait la queue derrière Nova? Elle a tout dans son sac. Oui, il y a 20 kilos en trop, mais c'est bon madame. On va fermer les yeux dessus pour vous. Yo, bien. Vas-y madame. Pourquoi, pardon? Billet s'il vous plaît madame. Le billet, attendez, tenez, prenez le billet. Tu vas pas me la faire, si tu veux dépasse l'homme araignée mais pas attendez, moi. Attendez, écartez-vous s'il vous plaît. C'est bon. Moi aussi tu me dépasses pas. Fait, vous posez votre... Me dépasse pas là, j'ai pas mis ta casquette. Avec des chourous sur la tête là. Ta gueule, ok. Et je sais pas si vous voulez avoir jamais. C'est parfait madame, vous pouvez y aller. Voilà, attendez, voilà. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, tenez, j'ai cru que je vais vous donner mon billet. Voilà, votre billet, votre passeport. Regarde, vous me poussez les fesses, toi. Ramène la sécurité, j'attends la sécurité, moi. Il va voir, moi, il est malade en parler comme ça, lui. Vous inquiétez pas, c'est la douane à côté, hein. Oui, bien sûr, tenez, voici mon billet. Voilà, alors, on va poser votre valise, monsieur. Oui, bien sûr. Voilà, bon, il y a quelques kilos en trop, vous me l'ouvrez, vous me jetez des chats, s'il vous plaît. Ah, désolé. Bah j'avais j'ai que des mangas dedans. Ah bon? Ouais c'est tout. Enfin passionné hein. J'ai des mangas et des slips. S'il vous plaît, c'est mon pays. Est-ce que vous pouvez juste retirer les slips usagés? Ok, bah y'en a pas mais vous inquiétez pas, je m'en occupe. Dites-moi fort s'il vous plaît. Voilà c'est bon. Allez vous pouvez y aller monsieur, bon voyage. Porte la gobe. Il est trop con, mais il est trop con lui hein. Il est trop con. Très bien. Moi, professeur. Aïe, je mets pas dans le. Non, maintenant, démenotez-moi. Mais ça. Mais ça. Ouais, il est trop con, le Bobby. Il est en train de le démenoter, ce
Ben, oh, bonjour, monsieur le professeur. Monsieur le bâtard. Monsieur le professeur. Attends, vas-y, on peut pas le fouiller pendant qu'il dort. Il fait une micro-sieste, je crois. Non, je te conseille de pas le toucher. Ça, merde. Oh bah ouais. Pourquoi tu le connais? C'est pas les yeux en face des trous, non, comme on dit. Oh, ouais, je vois ça, ouais. Ouais, wow, j'ai mal. Tiens, ouais, hey, Johnny, ton manteau, il est stylé de fou. Que j'ai à moi? Ouais, bah, ouais. Y a qu'un Johnny. Y a qu'un seul Johnny, hein. Bah, ouais, c'est comme ça, si on se fait emmerder par les Yakuza, on peut leur péter la gueule. Putain, mais toi, t'as envie de péter la gueule, quoi. Ça se j'ai envie de péter les gueules, putain, j'en ai plein de cul, je comprends. Tu sais que les Yakuza, je pense, entre nous, hein, faut pas le prendre mal, mais ils te baisent. Je les encule. Tu vas rien faire. Ah, monsieur MacArthur, surveille un. Monsieur MacArthur, surveille un peu les élèves. Au dernier voyage, il y a des élèves qui avaient piqué des trucs dans les valises à l'aéroport. Alors, de question que ça se reproduise. On n'avait pas pu partir la dernière fois. Merde. Ouais, faites un peu attention. Dites non, ouais. Je leur fais confiance. Donc, vous voulez qu'on vous laisse. Je leur fais pas du tout confiance. Vous me dites la vérité. Vous voulez qu'on. Ah, mais surveillez d'un œil, quoi. C'est ce que je fais exactement. Attends, tu crois que c'est fouillable, ça? Eh, dépêche-toi, hein. Je crois, on sait jamais si ça aura quelque chose. Bah ouais, regarde dans les sacs. Ouais, bien. Ok, faut qu'on en trouve d'autres. Attends. Elle est où, ouais. Elle est où, baby girl? Attends, t'as trouvé quoi là? Du linge sale, c'est tout, y'a avec des habits. Ouais, la même. Attends, y'a peut-être un bail à faire avec. Ouais. Duty free, certainement. C'est ce magasin, elle est où, baby? Ça coûte moins cher qu'ici, non? Elle est là! Mais non, au Japon, ça doit être 4 fois plus cher qu'ici. Et moi, je te le dis, dommage que tu avais pas mis. Bon, une fois que l'enregistrement est terminé, je pense qu'on va pouvoir partir. Je ne sais pas, et à quelle heure est le vol? J'ai peur que le voyage soit bien long. Bah, parce que le Japon, c'est pas la porte à côté. Heureusement que j'ai pris au moins 20 kilos de livres. Ça fait rire qui, là? Oh. Mais je sais pas, j'ai des absences et puis je me retrouve avec des. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pas moi, ça. Viens, suis-moi, viens. Putain, je peux pas le fouiller, du coup. Y'a rien, en fait. Si. Je pense qu'il y a eu un truc, quelqu'un s'est régalé. C'est plus beau en vrai que sur le passeport, hein, tenir au premier champ. Hein. Ouais, c'est bon, ça circule, c'est bon. Je suis en full fouille, moi, j'ai rien à foutre. Y'a pas de soucis. Ils me disent, va te changer et tout, rien à foutre, moi. Ça, t'es pas enregistré, tu peux pas voyager. Tu peux pas voyager, monsieur, vous pouvez pas voyager, monsieur. Dites-lui que j'ai la sécurité. Il a dit quoi, la sécurité? Prends ça. Attends, je dois aller voir. Il a dit quoi, la sécurité? Monsieur, y'a pas de masque dans un aéroport. Eh hey, Romu, tu vas aller au Japon, il faut être gentil, même si t'as une tête. En Sarsi, c'est un masque quand même. Hamid, Aziz, vous venez tous les deux avec moi. Mais... Ah, tu veux faire. Je vais prendre une photo avec vous. Ah, y'a rien. Ah, ouais, je suis bien dans le billet, je représente l'Amérique. Où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je peux check? Vous avez grave raison, monsieur. On baise leur mère. Bah oui. Et j'ai bien sûr mettre Olivier Tog. Eh, t'as trouvé. Pardon. Ouais, je trouvais un cul, sur ça. En fait, je sais pas comment m'habiller. Excuse-moi, mais vas-y, crache pas sur les fringues, par contre. Bah, t'as qu'à pas te coller. Ouais, t'as pas tort. Dégage. Vas-y, j'ai envie d'y aller décontracté. Mettez-vous aux couleurs de l'Amérique, on représente l'Amérique. Quoi? Ah, ok. Un vrai boulard. Ah, ouais, j'aime trop ça. Pétard. Ouais, non, mais vraiment. Comme dirait mon grand frère. Comme ça, c'est lourd, j'enlève juste le chapeau. Ah, ouais. Bah, je sais pas, je regarde ce qu'il y a. Comme dirait, comme dirait un grand philosophe, le bouchon de liège est dans ton anus et je pousse encore avec mon phallus. Ce qu'il dit, Louis. Sont un weeb. Ouais, mais c'est, j'ai trop la flemme de faire les. Ouais, mais exactement pareil. D'ailleurs, j'ai une blague pour toi là. Ouais. En fait, non, c'est pire. Frère. En cosplay. Non. Tu as mis le kimono? Ah, là, c'est bien. Quoi, y'a un kimono? Wesh! Oh merde. Oh, le magazine de Ukuta, man. Tu vas regarder, mais dis à personne, regarde juste. Attends, prends t'es un filou. Et tu vas te prendre dans le poids. Non, mais non, je regarde les tenues, c'est tout. Y'a rien. Ouais, les tenues. Je regarde juste les tenues, je regarde juste les tenues. Vas-y. Ouais. Ça va prendre bien. Non, arrête.
Ah oh ouais, ça se la prend la main. Hein. Je suis asexué, oh, ouais. Le sexe ne m'intéresse pas. Ah ouais, t'es asexué, man. Ouais. Vous ferez la paire ou pas? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Rien. T'es où le kimono, les gars? Y'a un kimono? Aidez-moi, par contre, je vais mettre 10 ans sinon. Chami, le kimono. Vas-y, je suis pieds nus comme Yannick Noah, sa mère. Wow. Big shame. Ah, c'est une rêve, putain. Oh, pas... Ouais, mais hey, Nova, t'es Géchard de fou, en vrai. Eh, hey, vas-y, toi. Ah ouais, Nova, t'es Géchard de fou. Ça, on voit rien, là, ça bouge pas. Putain. C'est juste la rêve. Wouah, Emily. Wouah, mais Emily, allez, gosses, on se dépêche, là. L'avion, il est bientôt là. Tout le monde, là. Mais il y a tout le monde qui... c'est quoi, comment t'as visite? Elle est bonne, elle s'appelle quoi? Oh, je pensais que c'était jeune. Ah, hein. Oh, j'aime bien ça. Il m'a tout mis. Ah ouais, elle est jarchi. Moi, mon modèle, c'est la prof d'art. Il faut que je m'habille comme elle. C'est une vraie femme. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Mais tu voulais pas tabasser du Yakuza? C'est pour ça que je vais mettre un costume, moi. Comme ça, je me prends pas la tête. Ok, ok, vas-y, carré. On t'a dit, c'était quoi, Diantai? OMG. Petite salopette, Flo, un peu, t'as capté? Les tentacules ou quoi? Flo, New Wave. Bah déjà, si tu connais pas le nom, on est dans la merde. Ouais, chantez, monsieur Jean Aziz. Là, il est en train de... Mais les gars, il y a 15 000 modèles, frère. C'est... Faut un mois pour m'habiller, frère. Il y a les sous-titres ou... A été traduit. Prends le haut d'abord. Mais je trouvais pas de haut tout à l'heure. Là, regardez, ça change rien. Il y a un problème, non? Romuald, t'en penses quoi de maintenant? Oh, trop bien, Leyou. En mode baise l'éclair. Eh, t'en penses quoi de ma tenue? T'es claqué. Ouais, t'es stylé. T'es claqué? Ouais, t'es claqué de fou. Ah, le bâtard. T'es... Non, voilà. on dirait tu vas au sport en CM2, bâtard. Fais un autre truc. Non, là, c'est chaud. Attends, change. Eh, on dirait t'es un streamer Twitch, enfoiré. Vas-y, bouge, change. T'es quoi, ça? attends, change. On dirait tu te laves pas, vas-y. Là, vrai. J'enlève le chapeau, c'est carré. C'est carré, frère. Non, on n'aura jamais le temps de se changer. Ta mère. Ah ouais, mais en même temps... On aurait dit le Capone, là. Arrête de faire la girly, là. Pitié, arrête de te mettre dans le miroir. Le miroir. Oh, mais... partout où je vais, tu te mets dans le miroir, c'est... Ah, excuse-moi, je suis attiré. Et là, je peux pas enlever le chapeau? Comment j'enlève le chapeau? Arrête de faire la girl, là. Tu mets 2 heures pour choisir un truc aussi. T'as même pas le haut. En même temps, j'ai toujours la même robe et le t-shirt à l'école. Mais vas-y, mais même pas ta épinette, cousine. C'est un truc de peau. Bah ouais, alors moi j'aime le naturel, c'est quoi ton problème? Bah vas-y, slash hat off. Moi j'ai besoin d'un aventurier qui vient couper mes lianes, tu comprends? Ah bah ouais, c'est sûr que Bobby il est vachement aventurier, hein. Bah ouais, putain, comment je vois super aventurier, ouais, de ouf en plus. Il doit bien couper les lianes avec ses chicots, ce bâtard, hein. Ah ouais. Tu es sûr que je peux enlever le chapeau, frère? Là, c'était sexy de fou. T'étais sexy raffiné. Mets le petit manteau avant. Ah, c'est le pilote. Comment ça? Ça va, super. Et on va pas en bikini, on va pas à la plage, on va au Japon. Merde. Wow, ouais, putain, tu vas me... Hey, tu vas m'attirer les problèmes, toi. Ah, d'accord, ok. T'es en train de t'aimer ou je rêve, man? Mais je t'aimais pas. Vous êtes tous en train de vous changer à l'extérieur. Ouais, ouais. Ça marche pas. Vas-y, je me casse. Ouais, modifie ta tenue. T'as plus de pec que mon propre daron. Comment je modifie ma tenue? Ils mettent du maquillage sur les yeux et tout, comme ça là. Ouais. Sinon j'ai ma tenue de base, elle passe crème. Tes pecs, ils ont des pecs. T'as bien maté la dernière fois, hein. Ah non, crois-moi que j'ai rien maté. Ouais. T'as bien maté. Vas-y, je m'en vais, je me barre. Vas-y, casse-toi, ma petite. Wow, abandonne, attends. Ah pardon, désolé. Y a un feeling. Prends une droite, ouais, mais j'ai envie de... Apparemment je peux modifier. Baby girl. Il y a que toi dans mon cœur, dans mon cœur, pardon. Dans mon cœur, dans mon cœur, baby. Dans mon cœur, t'inquiète. Il y a que toi, baby girl. Lui, c'est mon bro, tu captes.
Je capte. Et vous en pensez quoi du coup là? Toi t'es ma. T'es tout pour moi. C'est carré en fait, faut juste que je modifie ici. Pourquoi t'as dit ça avec un râle genre? T'es tout pour moi. Parce que t'es tout pour moi, je pourrais regarde, crever je pour avoir toi, baby girl. Mais moi aussi je peux crever pour toi, baby girl. C'est vrai. Bien sûr, t'es ma bro de ouf. Non, non, je suis pas ta bro, je suis pas ta bro. Bah t'es quoi alors? Bon là je sais pas ce que c'est mais au moins on le voit pas. T'as bro plus plus. Non frère. Ouais t'es ma méga bro. Ouais ouais plus plus. Plus plus. Allez-y je vous laisse 5 minutes maximum, 2-3 minutes maximum. C'est bon. Oh là là Brandon qu'est-ce que vous êtes classe comme ça. Bah je vais chez le pays de ma mère. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me mette bien. Ma mère m'a toujours appris à bien m'habiller et donc voilà. Écoute, super bon. Dépêchez-vous là, lâchez tous vos vêtements là. Et une tenue décontracte. Parfait, merci. Allez-y les enfants, on accélère. Je vous laisse 2 minutes, d'accord? Oh waouh. Oh, vous avez le même que moi. Kevin, on y va. Faut pas qu'on le rate. Ouais, regardez page 57. Page 57. Moi, j'ai décollé. Attends. L'avion va bientôt décoller. Hein. Faites vite. Je me suis déjà servi à plusieurs reprises de ce magazine. Ah ok, vous connaissez déjà alors. Allez, ouais. On y va, rassemblement tout le monde. Ok. Il y a un truc que j'ai pas guetté. Attends, pourquoi tu t'es pas changé? Attends, mais gros. Quoi? Mais tu t'es fait pousser une barbe? Mais pourquoi t'as. Ça, c'est un riche. Mais. Pourquoi votre barbe elle est... Mais pourquoi ta barbe? Elle a pas la même couleur que tes veux? La Trix. Vous êtes au courant que si l'avion il atterrit pas, on est tous foutus. Bah oui, c'est le jeu qui arrive quand l'avion atterrit pas à la fin. Ça ouais, oui, c'est vrai. Vous avez encore le temps de reculer, hein, chers amis. Brandon, t'es sur ton 31 là. Oui. Je vais dans le pays de ma mère et elle m'a toujours carré, appris à bien carré, m'habiller. Carré, carré de fou. Oui, ce serait bien que vous preniez exemple sur lui un petit peu. La lunette, elle est carrée. Il est respectueux de tout le monde et vous. On crâne, il est carré, c'est carré. Attends, oh les vannes! C'est quoi que vous voulez me faire là? Non, mais grandissez un petit peu, prenez exemple sur Brandon. Avec ton polo, la poste, bâtard! Ben non, respecte un peu, tu vois ou pas? Ouais. Oh, Brandon, c'est mon pote, tranquille. Hein. Hey John, est-ce qu'on va vraiment partir? Je vous mets dans un colissimo, vous allez voir. Oh bah j'ai quoi là? Ouais, je mettais pas. Tu fais quoi là? Attends, mais t'as mis la même tenue que. On va passer par cette porte, monsieur? Oui, exact. Vous allez passer par cette porte, monsieur. Vous savez que le domaine de l'aéronautique me fascine grandement. Non, Hamid, non, Hamid, non. Ah oui non, non. Vous êtes quoi? Vous êtes pilote? Vous travaillez beaucoup à l'école. Ouais, y'a quoi là-dedans? Vous travaillez beaucoup à l'école et vous avez peut-être la chance de devenir. Vous êtes pilote? Merde, y'a quoi là-dedans? Y'a quoi là-dedans? Bord, il est parti. Vous avez payé combien votre licence de pilote? Je me suis trompé. Je l'ai payé 50 000 dollars. Ah ouais, moi j'avais entendu que c'était 125 000 dollars. Peut-être que les prix ont augmenté depuis les années 20. Moi j'ai profité d'une réduction, c'est une promotion. C'est Black Friday. Je pense que vous êtes fait couiller parce que mon cousin l'a passé pour 10 000. Ah non, c'est impossible. Il est votre cousin. Ça coûte 125 000. Vous appelez comment? Il l'a eu sur Snapchat. Moi c'est Sefio. Oui, voilà, donc votre cousin peut-être qu'il a. Non, mais c'était un plan, c'était un plafond. Mais vous gardez juste des portes, non? Ah non, vous êtes le pilote. Mais non, c'est le pilote. Ah, c'est vous qui êtes le pilote là? Attends, comment ça c'est DSK le pilote là? Vous avez votre diplôme depuis longtemps ou pas? DSK, Ancelotti, oui, oui. La oui, ça fait Ancelotti. Depuis 20 ans. Il va nous faire des trucs bizarres, lui. Hein. Et bon, monsieur... les enfants, vous êtes prêts? Vous êtes contents de partir au Japon? Ah ouais, oui, grave. Est-ce que vous avez déjà perdu un avion sur un trajet? Yo, ça va ou quoi? Vous êtes là? Ah non, il a envie, sinon c'est mort. Non, je vous avais pas connu, vous êtes tellement belle. Oh, merci, c'est très gentil. Okay. Pour mon rang, correctement. La mode du Japon. Ah bah dis donc, vous êtes kawa. En rang. Merci, beaucoup. Deux par deux. Deux par deux, vas-y, viens, Yellow, à côté. Ce serait dommage de pas partir. Allez, merci de suivre le rythme, les enfants. Allez, s'il vous plaît, deux par deux, putain, silence. Tu n'as pas fait d'effort sur tes fringues, c'est un truc de fou. Quoi? Et je t'emmerde, j'ai pas eu le temps. S'il vous plaît, chute. Tu sais, on dirait quoi, toi? Le premier de la classe, là. Kirby, silence, s'il vous plaît. Clarken. Il a du rouge et des blancs. Rose, le type. Ok, préparez-vous. Tout le monde est là? Il y a des absents? Non, y'a pas d'absent, on peut non, y aller. Non, y'a pas d'absent. Monsieur Jean, dans le cul, toi. Ok, on va y aller. Bon, vous prenez ça. Ça va, t'as pas trop emballé dans le cul, hein. De qui, tu parles de moi? Ouais. L'avion. Waouh. Oh, la dinguerie. Vous ne bougez pas, ouais. Vous ne sortez pas.
Personne ne sort d'ici. Venez ici là. Ganesh, tu devrais travailler avec une arme à feu hein, pour te faire entendre, je pense. Bah, honnêtement, je suis à deux doigts. Oh là, devant Ganesh, ça marcherait mieux. Vous êtes des animaux, bordel. Moi, je suis pas dedans, moi. Oui, presque. Les enfants, s'il vous plaît, en rang de par deux. Vous saviez que c'était un rang 381 8431 Vous êtes des bâtards. Tu ressembles vraiment à un champion là. Non, t'as la classe, Brandon, là. On dirait un serveur. C'est vraiment les lunettes du Japon là. Merci. Il a pas changé grand. Au moins, je pourrais te protéger au cas où. Très joli en tout cas, voilà le professeur. Mais t'es pas un ninja là. Apparemment, tu l'as acheté combien sur sa poubelle? J'ai un problème avec les douaniers en arrivant. C'est pas ça que poubelle, c'est un truc qui. De l'air au dos. C'est un vendeur, il m'a dit wesh. Ça. Ah ouais, bah, t'as bien douillé. Hein. Mais il m'a rien baisé, je l'ai vu. Il m'a dit arigato gozaimasu quand j'ai acheté ce nom. Attends, j'adore Bakir, mais je monte pas avec lui. T'as fait la même teinture que Alpha Cas. De part de correctement, s'il vous plaît, allez-y. Ah, j'ai flop sa mère. Ah non, c'est bon, rigole. Ok, je vais faire l'appel pour tout le monde. Le Bouddha, il est mort de rire, ce micro il a pas proc. C'est pas un flop, les gars. C'est pas un flop. Alors. Quand on est en rang, il faut que perso tire là-bas. C'est HRP, non, ouais. Perso, c'est un geek qui regarde des streamers. Ah ouais, t'as la dalle sa mère. Ah gros, je fais l'appel. Brandon, vous allez me répondre par présent. Tefta. Mais non, il est stylé comme ça. Non, je Létus. Me suis habillé classe. C'est les... ah ouais. Oui, Tétus. Toi, t'as essayé oui, de t'habiller oui, classe. Oui, oui, je suis là. Kevin. Moi, j'ai rien essayé, les gars. On dirait que tu travailles chez CTLM. Suzy. Bobby. L'univers. Y'a mon mec. Oui. Yellow. Présente. Kirby. Ouais. Jordan. Carré. Brandon. Japon, rien, c'est mieux. Brandon, il est où? Ah, pardon, je suis là. John. C'est bien ou pas? Ouais, je suis là. Nova. Jam. Nova. Je suis là. Ouais, là, tu vois, le sport, prof d'artiste, comme si tu veux l'avoir. Cob. Gros, c'est sûr, est sûr. Cob, il est où? T'es sûr que j'agère? Y'a Dark Punk à côté. Ok, Amin. Mais range ton magazine, range ton magazine. Mais comment ce magazine? Amin n'est pas là? Oui, il est là, je viens de le voir. Okay. Elena. Emily. Bah c'est moi, ouais. Jean-Charles. Il y a quoi sur ton magazine? Achir. Ouais, j'y suis présent. Léona. Mais ma mère, c'est un magazine de films. Hamid. Ouais, il y a ma Romuald. Ouais, tu veux citer toi. Bachir. Bobby. Oui. Viens voir une fois. Parfait. Présent. Bobby 2. Écoutez, je vais vous annoncer à partir de maintenant. J'ai pris perspective. Que... D'accord, il y aura deux groupes différents. Oui, tu l'as autorisé à bonne escient. Une activité différente. T'inquiète. Est-ce que c'est entendu? Ok, je lui fais confiance. Oui, mais moi, je te fais confiance. Je vais vous répéter qu'une seule fois, vous avez intérêt à écouter correctement, attentivement, vos groupes personnels, d'accord? Groupe numéro 1. Kefta Mouloud. Oui. Létus O'Neill. Kevin pas Duchamp, pas ce groupe, pas ce Suzy groupe. Smith, pas ce groupe, pas ce groupe. Bobby L'Univers, pas ce groupe. Yellow Bishop, pas ce groupe, pas ce groupe. Kirby Dixit, pas ce groupe, pas ce groupe. Jordan Birkins, pas ce groupe, pas ce Brandon groupe. Brandon Kurosaki, non. John Surdoug. Et pour terminer, McBurger Nova. Voici le groupe numéro 1. Non, je suis pas avec John. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Silence. Les pires groupes du monde là. Groupe numéro 2. Si tu veux, on échange. Viens, on échange. Groupe numéro 2. Alors, Taker Cobb. Non, c'est moi. The Bio Amin. Non, c'est moi qui ai échangé. Evans Emily. Vas-y. Villiers Jean-Charles. Personne qui échange là. Niquez vos mères. Fermez-la tout le monde là, je rigole pas là. Taisez vous s'il vous plaît. Non, j'ai fait ça. Oh, soyez cool là un peu. T'as fait ciseaux. Ok, on l'a refait je alors. Je termine du coup. 1, 2, 3, Pierre, feuille, okay. Ciseaux. Hamid, tu viens ici. Ciseaux. Pierre. Hamid. Oui. Moins 10 points pour les rouges. Quoi? Pourquoi? En rang. Ouais. Ferme pas ta gueule. Putain, à cause de toi, Bobby, je vais te niquer ta gueule. Tu chuchotes pas aussi. Toi, tu donc je termine. Wilson, Léona. Léina, pardon. Sefiu, Hamid. Porno, Romuald. Junior, ah. Bobby. Et Smith, Suzy. C'est bon pour le groupe 2? Oui. Oui, monsieur. Ouais. Parfait. Monsieur, ah, monsieur, on peut pas dans le groupe échanger de bah place oui, ou c'est pas dans deux groupes, moi, monsieur. Si, vous l'avez dit dans les deux groupes. Oui, on peut pas échanger. Attendez, laissez-moi vérifier. Essaye d'échanger, comme ça tu me rassures, vous avez peur d'avoir. Ça, tu viens avec nous.
Et ouais, ah bah non, 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 je te soutiens, par les enfants à vouloir échanger, gardez vos groupes, les gars, Kirby, arrêtez. Kirby, je te mets dans le groupe 1, tu me laisses ta place. Mais va te faire foutre, tu crois que je vais te laisser ma place? Moi j'ai échangé avec quelqu'un du groupe 3. Wesh, wesh, je vous dis à la fin, Ganesh. Kirby, Nora, l'envie d'être avec moi aussi. Wesh, tu parles mal. Je vais te monter en l'air. Ok, vous allez monter dans les avions, allez-y, on y va. Calmement, calmement. Allez, on y va, calmement. Ganesh, moi j'ai échangé avec Tête Carrée. Non, tu t'appelles comment déjà? Non, 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 il n'y a pas d'échange de groupe. Il n'y a pas d'échange de groupe. Mais vous avez tué à la fille juste avant? Non, non. Bah si, je vous ai entendu? Non, non, du tout. Allez-y. Bah si, on va monter dans les avions qu'on puisse enfin y aller. Fallait écouter vos groupes. Ah bah, on s'assied? Non, mais là c'est mélangé. Attends, c'est quoi la blanc là? Eh, descendez dans l'avion, descendez! Non, tout le monde atterrit ensemble. On est au Brandon, on ne prend rien. Je sais pas. C'est mal organisé tout ça. Ça faut demander là quand même. Ah bon, ça va faire un parce que je suis encore paix. Welcome, vous pouvez monter monsieur. C'est pour le groupe 1 ou le groupe 2 monsieur? Personne ne monte. Silence s'il vous plaît, tout le monde écoute. Groupe 1, groupe 1, vous prenez cet avion. Allez-y. Groupe 1. Groupe 1. Allez, groupe 1 uniquement, groupe 1 on y va. Bah je sais pas c'est trop bien. Groupe 2. J'ai vraiment peur. Va dans la soute. Oui, mais c'est peur, imaginez, cracher nous. Groupe 2, c'est là-bas les gars. Allez, montez, on se. Groupe 2, on y va, on accélère. C'est parti. Oh putain, groupe 2, groupe 2. Eh ouais. Oh, c'est trop content. Oui. Comment Du tout. Comment on monte? Car une voiture. On y va. Comment? Car une voiture. Rien à foutre. Allez. Groupe 2, s'il vous plaît, vous montez ici. Ouais, écoutez, monsieur Bachet. On va manger des soupes. Fallait pas parler, fallait écouter. C'est plus mon problème. Ça. Konnichiwa. Pardon, il y a un troisième avion, venez avec moi. Moi j'ai pas parlé, j'ai pas vous mentir. Amine, attends, c'est, non, c'est pas Amine, c'est qui là dehors? Moi j'ai des bases, si tu veux, vas-y, je pourrais t'aider, j'ai des bases. Vas-y, vas-y, vas-y. Comment on dit bonjour, ça va? Vous avez fermé trop tôt. On dit konnichiwa. Konnichiwa. Bah alors Bobby, on est dehors. Comment on dit ça va? Comment on dit ça va? Daijobu, ça va, c'est Daijobu. Daijobu. So vous savez comment on dit bonsoir? Monsieur, frappe pas sur l'avion, Bobby. Comment? On dit Kambawa. Kambawa. Tu dis oh Genki Deska, ça veut dire comment ça va? Ok. Oh, bah, c'est vachement compliqué. Oh Genki Deska. Y'a pas une instule vite fait, qui traîne comme ça? Oh, une petite instru- ça commence. Oh, pas comme de style. Non, ça c'est coréen ça. Gangnam Style, c'est coréen. Non, la raciste, c'est grave. Oh, c'est coréen. Ok. Bah, c'est asiatique après, c'est pas raciste. Hein, ouais, raciste, c'est raciste. Raciste, c'est raciste là. Ça veut dire quoi? Attendez, comment on part, il parle. Gambatte, le pilote, Gambatte. Le pilote, on vous entend mal. S'il vous plaît. Gambatte. On vous entend mal. Je fais de mon mieux. Bienvenue dans le vol de, ça, de, de Malaysia Airlines, direction Japon. Malaysia Airlines. Voilà tous. Mais il a pas disparu. On va pas au Japan Airlines. On est foutu. Attends, mais Malaysia Airlines, y'a pas eu un scandale avec cette compagnie? Les gars, vous m'entendez? Bah ouais, c'est l'Amazien qui a disparu en mer. Vous êtes confiante, madame Darflassi? Je vais faire attention à tout le monde ici. Vous êtes confiante? C'est pas sérieux. Je suis copilote. Je te jure, c'est vrai. C'est un malade ce pilote. Oh les gars, je suis le copilote. Comment ça? Attends, c'est qui le copilote? C'est moi, Hamid. Mais t'es pas copilote. C'est qui le copilote? Mais ça m'a été un peu. Les gars, je le vois, il est devant, c'est lui. Oh putain, on va mourir. Les autres, ils ont fait décoller. Japon ou en Thaïlande? Pourquoi j'ai changé de groupe? Pourquoi j'ai changé de groupe? Pourquoi on est celle qui décolle pas? J'ai fait exprès de me tromper d'avion. Chef, emmène-nous en Thaïlande, s'il te plaît. Hamid, arrête, s'il te plaît, gros. Chef, j'ai envie de chier, arrêtez-vous. J'ai pas envie de mourir. Ça va aller les envoyés. Ouais, nique ta mère. Pourquoi on est les seuls qui n'avons pas décollé là? Oh putain. Oh, l'animation de fou. Ils sont trop forts, wesh. Gotoujou, arigatou gozaimasu. Thank you for flying with Japan Airlines. Please pay close attention. Securely fasten your seatbelt tight and low.
On dirait un jeu t'as la Wii. Oh, please read the safety instructions leaflet. En fait, je vous comprenez, parlant japonais, frère. Mais c'est traduit dans l'écran. Merci. Accrochez-vous, nous avons des turbulences. Oh! Rappelons que ce vol est nocif. On arrive. Mais on est revenu à la sentence, en fait. Wesh, mais on est revenu. Ils ont plus de gueule. C'est incroyable. Waouh. C'est magnifique. On est au Japon ? Oh, on a fait le Japon. Waouh. Mais what ? Waouh, les gars ! Avec ça arrive wesh, à moi, putain. On est vraiment au Japon. Quoi ? Ouais, je mets ton pantalon à mi. Si, attends, un mauvais rêve. Merci, BG. Bonjour à tous, les enfants. Bonjour à tous. Bonsoir. Les enfants, écoutez-moi bien. Venez par ici. Apparemment, il y a un deuxième avion qui a eu un petit problème. Vous allez tous récupérer vos valises, d'accord ? Récupérez vos valises. Comment ça ? Ici, à gauche, vous allez récupérer toutes vos valises. Ils vont bien les autres ? Oui, vous inquiétez pas. Ils sont bas des couilles. Mais on est vraiment à Tokyo Narita là. Si nous on est à Tokyo, je m'en fous. J'ai juré on est à Tokyo. Vous êtes des bâtards, il y a tous mes potes et ma meuf. On s'en bat les couilles de ta meuf. C'est bon, depuis quand qu'on s'en bat ta meuf ? Une de perdue, 10 de retrouvée. Venez devant moi, vous allez récupérer vos valises. C'est qui toi ? C'est moi ? Il nous fait chier avec sa meuf, l'autre. C'est qui sa meuf ? C'est Nova. Ah ! Allez, mettez-vous en rang, s'il vous plaît. Deux par deux. Encore deux par deux ? Oui, deux par deux, oui. Et là, c'est vos chaussures, comme Frank Zeng. Ah, c'est trop marrant, professeur. Ah, Kefta, saute, Kefta. Regarde les... Ouah, c'est trop stylé. Les drapeaux. Les drapeaux, man. Oh, stylé. Ça a l'air, hein. Allez, s'il vous plaît, deux par deux en rang, correctement. Ouais, ça va. C'est bien. On va avancer calmement, venez. Ouais, il a géré. Calmement. Monsieur, l'autre partie de la classe va mourir ou pas ? Non, ils vont arriver. Putain, j'espère. Putain, dommage, j'aurais bien aimé qu'ils meurent. Je sais pas, je suis dégoûté. C'est pas gentil, ça. Attendez, tout le monde n'est pas là, là ? On sait pas. Ami, tout le monde est là, avancez, Ganesh. Non. T'as dit quoi ? J'aurais vous te venir avec ma tenue de sport. Il manque des gens là. Ouais, monsieur, je vous kiffe trop, j'ai remis la tenue de sport. Non. Ok, ça va, on va faire des combats. On s'entraîne. Je suis un chausseur, c'est pour ça. Ah, dites-moi votre soirée saké et hentai, s'il vous plaît. Alors, allez, venez. Regardez derrière. On met la prof. Il y a que les sacrés branleurs qui sont invités. Monsieur, oh, j'ai invité professeur. Je suis vraiment niveau 35. Non, mais non, pas Monsieur, niveau branleur, je pense que c'est le meilleur. Je suis une sacrée branleuse aussi. Hein. Moi, je suis invité. Vraiment niveau 35. Allez, profitez de l'environnement. Ça dépend, faudra que je teste vos poignets. Regardez comment c'est beau. Vous avez vu le niveau au tennis, normalement, ça va. Regardez sur votre gauche, vous avez les statues sur votre gauche. Mais on visite un aéroport, là. Waouh, c'est les statues de Gundam, les robots. Trop stylé. Ouais, c'est Gundam. Mais c'est construit en 1983, les statues de Gundam étaient là pour faire plaisir aux nouveaux japonais. Hey, je bande. Pareil, j'ai bien fait de mettre une jupe, hein, je vous le dis. Arahita ! Ça veut dire j'ai faim en japonais. Oh, il y a les bus. C'est vrai. C'est les bus japonais. C'est Arahita ! Arahita ! Oh, il y a des petits chiens dessus, hein. Arahita ! Si vous parlez bien japonais, vous gagnerez des points. En tant que professeur de langue, je vais vous surveiller, chers amis. Je parle japonais, moi. Et toi, Aksama ? Allez, au bout, je vais faire l'appel, d'accord ? Vous arrêtez le jeu. Genku, Deska ? Sans vous dire stop, on se stop. Arrêtez-vous, stop tout le monde. Bah quoi ? Je vais faire l'appel. Urusei, t'aimais. Est-ce qu'il veut le Kurosayo ? Oh, t'es raciste ça. Oh, ouais, c'est raciste, monsieur. J'avoue que c'était raciste. Ouais, un peu. Kusuyaro, non, ça, je l'ai dit quoi ? Qu'est-ce qu'il veut le couscous, il a dit ? Ouais. Waouh ! On parle de qui ? Alors. Vous ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vais faire l'appel, s'il vous plaît. Kefta Mouloud. Encore un peu. Oui, toujours là. Cletus. Oui. Kevin. Suzy. Oui. Bobby. Oui. Yellow. Oui. Kirby. Ouais. Jordan. Ouais. Brandon. Ouais. John. Ouais. Et Nova. Oui. Ensuite, Cobb.
Amine. Onishua. Amine est où? Présent, présent. Okay. Hélène, Émilie. Jean-Charles. Ah, il manque Jean-Charles. C'est qui? Présent, présent, présent. Ah, mais okay. Parlez plus fort. Bachir. Bachir, dis présent. Bachir, il est où? Non. Ouais, oh, Bachir, présent, va te baiser ta mère. Léona. Hamid. Est-ce que tu es sûr qu'il a mis un costume? Romuald. Et Bobby, tout le monde est là? Super, allez, venez. Ouais, pour l'instant, écoutez, personne ne monte dans les bus pour l'instant, d'accord? Oh, ok. Vous avez des distributeurs d'eau et de boissons, enfin, de boissons et de fournitures là-bas au bout. C'est mon rat, c'est mon ami. Ok, ok. Américain de merde. En fait, je crois que j'ai vraiment un pouvoir. Américain de merde. Ouais, chien, et qui m'a insulté? Mais attends, j'avoue. Je suis japonais, moi, je suis pas américain. Pas venir ici. Mais c'est qui insulte là? Retournez-vous, retenez-vous, nous pas, pas venir ici. Mais non, mais non. Dégage américain. Ouais, Rose, écoute, tu vas arrêter d'énerver nous, les amis du riz. Les enfants. C'est lui qui nous insulte. Les enfants. Mais c'est un malade. Il dit les américains, retournez chez vous, cassez-vous. Les deux derniers bus, les chauffeurs, vous montez dedans, s'il vous plaît. Monsieur. Ah, bah, parlez-moi. Allez, deux derniers bus, allez-y. Poussez-vous. Les deux derniers. Pourquoi les deux derniers? Bah, je sais pas. Non, mais c'est toi qui conduis encore. Mais c'est pas. J'ai jamais conduit. Mais pas toi, je parle du surveillant. Ouais, il nous a dit de rentrer chez nous. Non, le surveillant, il conduit. Par contre, il y a beaucoup de racistes ici. Non, il nous a dit rentrer chez vous, les Américains. Moi, je peux pas, moi. Après, toi aussi, t'es un peu raciste, donc. Arrête, bah, non, moi, je suis pas raciste. Tu montes dans quel bus? Viens, on monte dans celui-là, vas-y, go. C'est vrai que tu es raciste? Vas-y. Ouais, non, je suis pas raciste. Je pouvais pas prendre le rat, Mais ça se trouve, c'est dans mon lore, ils m'ont mis en pouvoir. Je suis le maître des rats, frère. Oh, pas mal la punchline, madame. On va monter dans les bus, allez, on y va. Vas-y, chauffeur, avance là. Hey, chauffeur, faut démarrer là, allez. Vas-y, chauffeur là, bombarde. Allez, chauffeur. Je sais même pas où est-ce que je dois aller. Chauffeur, si t'es champion, tu vas appuyer sur champignon. Ah merde. John David. Si t'es champion, appuie sur champignon. T'inquiète pas, Geftar. Non, c'est logique. Ouais. Je m'occupe de toi après, frérot. Laisse-moi tranquille. Eh, regarde les ponts. Ils ont des ponts au Japon, je suis choqué. Ouais. Mais toi, t'es con sa mère. Genre, ils ont des ponts au Japon. Dinguerie. Ouais, ils ont de l'eau aussi. Tu savais qu'ils avaient de l'eau, gros? Non, mais t'as vu les ponts, comment ils sont mieux qu'en Amérique. Ils sont mieux. Regarde la route, comment elle est propre. Mais wesh. Ouais, c'est trop stylé. Je suis choqué. C'est incroyable. Mais je suis choqué. Regarde les bidonvilles. John, c'est là où tu vas terminer. John, c'est là où tu vas terminer, John. Regarde à gauche. Plus sa mère, incroyable. Ah ouais. Putain, dire qu'il y en a, ils vivent dedans, les pauvres. Eh, hey, ouais. Ça, c'est des cités au Japon, ça. Ouais. Ah ouais. Ouais, tu connais, ouais. Tu connais comment bien le Japon, Hamid? Comment tu sais? Ouais, je suis déjà venu une fois, et ça, c'est des cités, faut même pas traîner là-bas si t'as pas... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment? Tu mens, t'es jamais allé au Japon. Ça s'appelle Shibuya. Ça s'appelle Shibuya ou Lubia? Ouais, c'est Shibuya. C'est Shibuya, Lubia. Mais non, mais Shibuya, c'est connu comme une zone touristique, ça peut pas être des cités. Non, Shibuya, Lubia, Lubia. Ah, Shibuya, Lubia. Ah oui. Ouais. Non, je crois que c'est Harajuku. Harajuku. mais c'est long ou pas où on va, monsieur chauffeur? Attends, mais regarde par le mec du devant, accélère putain. Ouais. Attends, mais on roule à gauche, ça choque personne là. Bah non. Mais ouais, mais c'est comme ça au Japon. Mais il est vrai. Mais le bus il est trop kawaii. Ouais. T'as vu, il est kawaii né. Le chauffeur, mais trace, tu te fais doubler. Eh, on a le pire chauffeur, c'est une dinguerie quand même. Eh, bombarde, sale chien, va. Eh, chauffeur, accélère, frère. Petit couillon, je peux pas aller plus vite, vous êtes gros. Ferme ta gueule, c'est toi le couillon, bouffon, va. Ouais, comment il parle mal? Je veux pas que je te fasse un délire. Monsieur surveillant, pardon. Vas-y, non, pardon, c'est John, pardon. Allez, accélère, monsieur. Je peux pas faire plus. Mais putain, j'ai trop envie de conduire ici. Non, mais il est lent, le nôtre, c'est abusé. Regarde, eux, comment ils accélèrent. On est trop dedans. Y'a pas des gens qui veulent se sacrifier, les gars? Ouais, sautez, les gars. Jeter quelqu'un, jeter Bobby du camion là. Eh, hey, va te faire juste foutre là. Toi, va te faire foutre. Toi, tu fais 1m90, c'est toi qui nous ralentis. Eh, hey, Amine, laisse Bobby tranquille, c'est moi je dois lui baiser sa mère, pas toi. Non, c'est moi je dois lui baiser sa mère. Eh, hey, Amine, croyais on est tes potes. Eh, hey, on va se battre pour lui baiser sa mère. Ça va être ça. Ok.
Hey, y'en a aucun de vous deux qui va baiser ma mère. Si, on va tous le faire. Il est trop mignon, Bobby, quand il s'énerve. Les gars, regardez à gauche, il y a un cœur sur le toit du bâtiment. Ah ouais, ouais. C'est quoi là-bas? C'est le cœur des super nanas. C'est le bâtiment de l'amour. C'est moi, Jojo. Mais non, c'est une marque de glace. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est Vico, la marque. C'est Vico. Non, Vico. Mais oui. Mais non, Vico, c'est des chips. Je vais aller vérifier après. Vico, c'est la purée. Non, c'est des chips, wesh. Bien joué, double sa mère. Double. Vas-y. Allez, monte que t'es un pilote. Ouais, vas-y, là, non, là, c'était le moment, là. Eh gros, si tu doubles ta mère, c'est une pute. Oh wow. Ah, comment ça m'aurait pas plu? Je l'aurais doublé tellement vite, là. J'essaye, je vous assure, j'essaye, les gamins. Vas-y. On n'est pas des gamins, commence par nous respecter. Est-ce que tu veux que je te suce pour te booster un peu? Mais non, tu vas l'endormir, il y a les endorphines. Vas-y, c'est ta chance. Ouais, maintenant. Voilà. Mais pourquoi tu l'as pas doublé? Mais ouais, fallait passer à gauche. Parce que je m'attendais pas à ce qui pile, bande de couillons. À ce qui quoi? À ce qui pile. À ce qui pile. Vous voulez qu'on pile, monsieur le chauffeur? Vas-y, double là, c'est ton orcase là. Mais il peut pas, il arrive pas. On est trop loin là. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on est plus qu'eux? Si, je crois que c'est ça. Au fait, vous êtes plus trop gros, c'est tout. Wesh, y'a un fleuve à gauche. Eh les gars, j'ai une théorie, le Japon c'est un peu claqué en ça. Bah y'a un fleuve à Créteil aussi hein. Comment ça man, t'as vu, c'est stylé quand même. Bah y'a de l'eau chez nous aussi. Ouais mais là on est au Japon, c'est bon, un fleuve japonais. Quoi, l'eau c'est pas la même, qu'est-ce que vous racontez? Juste la route, elle est belle, c'est vrai. Mais tu viens pour la culture, tu viens. Ah mais ils ont un fort aussi, y'a un lac gauche. Amine, genre impose-toi un peu ton style. Ouais, impose-toi Amine. Waouh, regardez à droite les enfants, c'est la tour Eiffel, t'as le Japon. Eh la putain de ta mère, parle plus fort. Bah crie, on t'entend pas, t'es tout au fond. Crie, on t'entend pas. Ah merde! Double-le! Vas-y, double-le! Je vais changer de bus là! Vas-y, non, c'est un contrôlé, ouais! C'est un péage, il peut pas passer! Wesh! Ah, la gueule du. Ah ouais! Ah ouais, sacré péage! Wesh! Sacré péage, mon pote! Les péages japonais, c'est high-tech sa mère! Ah ouais, c'est des téléporteurs! Ouais, c'est tu vois! Et ils sont dans le futur, eux, hein. Waouh. Wow. Ah, ouais. Shibuya. Wow. On a Shibuya. Téléportation, t'es à Sangoku. Shibuya. Les gens, ils ont des voitures comme ça, ici. Ouais, y'a même une montgolfière. Des voitures normales. Mais d'où y'a des montées comme ça, route. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cette route? Elles sont passées, là, les routes. Et la route, elle veut rien dire. Mais y'a un problème, sa mère! Ouais, y'a un problème là! Non, mais vas-y, comment ça? Mais ça va! Eh, qui est déjà venu au Japon? Moi, je suis venu une fois. Jamais! Et moi, je suis jamais venu! Les gars, je vais mourir! Ben, ah. Là, on est au quartier de l'électronique à Akihabara! Là, c'était écrit sur le panneau! Ouais, il a dit au pif! Il est jamais venu, je te jure, c'est vrai! Wesh, la tête d'homme, c'est trop stylé! Ouais, c'est super beau ici! Dépasse-le, fume, vas-y, allez, il est mort. Non, mais les gars, leur camion il est en train de fumer. Dépasse-le, passe au milieu. Fais pas comme eux. Voilà. Bien joué. T'es le boss. Il s'arrête toutes les deux secondes. On en a un qui a sauté là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y en a qui a sauté. Non, bah, laisse-le, c'est son problème. Oh merde. Ah, il a sauté. Oh merde. Je vais le chercher. On s'en bat les couilles, Je vais le chercher. Ah là là, putain. Merci Amine. Montez. Ah merci mon pote. Mets-le dedans. Attendez. Ouais, wow, la catastrophe. Non mais juste. Non mais ah ouais, les gens monte, on est en retard. Exemple, dépêche-toi. Mais monte. Vas-y, monte. C'est bon. Ah, je vous retiens ce que disent, laissez-le ici, je vous retiens, bande de bâtards. Et personne n'a dit ça. Il y a que John qui a dit ça. Et je t'entends du Brendan, enfoiré. On a pas besoin de toi. Quoi? Et tais-toi, Bobby, on t'a rien demandé. OK. Attention, tu vas te faire niquer bientôt, toi! Mais les gars, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des cadavres! Ou la gauche! Il y a des cadavres! Il y a des mecs qui se font carta! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un accident en face! Il y a quoi là? Il s'est passé quoi?
Et pourquoi j'ai le poing serré comme un... C'est de mort. Ah, moi aussi j'ai le poing serré, man. J'ai envie de mettre des patates. J'ai envie de mettre des patates, là. Ça fait rire plus d'apprendre un peu, quand même. Ah, moi, j'ai... Oh, la... Regardez l'accident de fou. S'il vous plaît, silence. Les gars, perdons pas de temps, mettez-vous en rang, s'il vous plaît. T'es dans la roue. Tu soulèves. S'il vous plaît, en rang. Écoutez, en rang, tout le monde. Ok, parfait. Mais hey John, tu soulèves Yellow, t'as pas honte? Mais elle est tombée dans les pommes, Écoutez, on va commencer. Bah oui, mais... On va commencer à faire. On va commencer à rentrer, d'accord? À l'école. À l'école? Oui. Il y a une école ici? C'est pas des vacances, c'est un échange étudiant, les gars, c'est un échange étudiant. Oh, je suis dégoûté, je croyais en aller visiter. Putain, je crois que c'était l'échange de liberté. Donc là, dans nos dortoirs, il y a des japonais. Oh non, Patoche. Pardon, Bobby. Ouais, apparemment, moi. Hey John, tu te tiens bien, allez, suivez-moi. Et les japonais d'ailleurs. Bonsoir. Ensemble, ah oui, bonsoir. Tu peux regarder sous la culotte de. Bonsoir, je me prénomme Ganesh. C'est la meuf d'Anne, je peux pas faire ça. Je me prénomme Ganesh. Je suis le représentant des jeunes. Un peu de silence, s'il vous plaît. Comment est-ce que Bobby, ça va arriver, Bobby? Pardon. Konnichiwa. Enchanté, Ganesh Dikaputash, je suis le nouveau CPE. Ganesh Dikaputash. Il y a la meuf de Dead or Alive. Chut! Taisez-vous, s'il vous plaît, derrière. On n'entend rien. Fermez la zabi. Dans un premier temps, vous allez vous familiariser avec l'école. Déposez vos affaires au dortoir. Les élèves vont vous accompagner, vous faire visiter. C'est un Colombien. Ensuite, on verra les activités qu'on pourra vous proposer. Bienvenue, messieurs. Merci beaucoup. Vous rentrez en silence. C'est la meuf. Rentrez en silence, allez-y. Il y a le mec d'Initial D. Allez-y, rentrez en silence, s'il vous plaît, les enfants. Il y a le mec d'Initial D. Mais c'est vrai. Allez-y. Alligator. En silence. Alligator. C'est très beau. C'est d'école. Oh, magnifique. Oh. Wow. Ce n'est pas un problème. Hey, allez, c'est comment les courses la nuit à la montagne? T'aimes bien? Ça va, Yellow, tu vas bien? Tu te sens mieux? Incroyable. Ouais, t'as les cadeaux pour faire rentrer. Tu aimes la course? À quoi? Ouais, moi je te regardais faire des drifts. C'est par où? C'est en bas là? Oh, mais t'es trop cool. On est dans un dojo. Il est de là, frère. Les gars, j'ai tellement bien fait de prendre le... Ok, Takumi-san, on ira faire la course. Rendez-vous à 1h du matin. C'est ici, dans le traditionnel. Merci de respecter les lieux. C'est tellement stylé. Ça, on peut visiter. Allez, rangez vos affaires, s'il vous plaît. Ça va aller. C'est incroyable. Faut déposer les affaires, vous pouvez déposer. Non mais il y a des parchemins. On les met là. Ouais, enfin dans la pièce d'avant quoi. Ah, dans la pièce d'avant, ok. Ouais, dans le débarras quoi. Oh la dinguerie. C'est joli. C'est où le ouais, c'est vraiment trop beau, vraiment. Mais la ville, je suis choqué, vraiment. Mais il est où? Il faut que ça prenne comment m'en sort correctement. Écoutez, les enfants, venez tout le monde, on va se regrouper, s'il vous plaît, tout le monde, venez. Pini, à côté de Los Santos. Mais il est où, frère? Avec sa mère, je vais mettre ça ici. Les gens, ils vont péter leur crâne après en voyant ça. Ça va être sauvé. Bah non. Ah non, c'est pas moi. Non, je l'ai pris avant, 100%. S'il vous plaît, tous. Venez, s'il vous plaît, vous avez tous déposé vos bagages. Allez, tout le monde. Venez, vous avez déposé vos bagages, s'il vous plaît. Allez, on y va. Mon nom, c'est Takumi. S'il vous plaît, venez ici. Takumi. L'autre côté. C'est Alain Bien. C'est incroyable. Parce qu'il a dit mettez-vous pieds nus, c'est la tradition. La bibliothèque, GG. S'il vous plaît, tout le monde. Amine, écoutez. Oui. Oui, je vais vous montrer les toilettes. Mais avant, est-ce que tu peux. Je vais donner une mission. Viens, Amine. Je vais donner une mission. Tu ramènes tous les élèves ici. Venez, tout le monde, venez. Viens voir. Les élèves, tous ici. Bon, s'il vous plaît, là, on vous a demandé 50 fois d'aller là-bas. Tous là. Excusez-moi, j'arrive. Oh, les élèves. On verra plus tard. C'est un peu compliqué, les élèves sont agités avec le bonheur. Mais on est... Vous êtes où? Vous avez bien prêt de les amener ici. Ils vont apprendre la discipline. Oui, je suis désolé, monsieur le directeur. Ils sont où, frère? S'il vous plaît, tout le monde est là. S'il vous plaît. Parfait. Bah les absences auront tard, voilà, c'est tout. Vous allez remercier le directeur ainsi que ses compagnons. Un ratel. Compagnons, pardon, de l'accueil. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur.
On n'aurait pas pu rêver mieux. Ensuite, dans un premier temps, vous allez déposer vos bagages. Et ensuite, je vais vous. Donc, vous allez vous diviser par groupe. Mais vous inquiétez pas, vous aurez 30 minutes, à peu près une vingtaine de minutes de temps libre. D'accord ? Et ensuite, vous allez attaquer vos missions respectives par groupe. Donc, pour le groupe 1, vous avez Ignition. Pour le groupe 1, vous avez Ignition de cours de tuning de voiture. Wow, trop cool! Et le groupe 2, vous avez cours de pêche. Voilà. Compris, groupe 2, cours de pêche. Écoutez, allez poser vos bagages et quartier libre. Comme je l'ai dit en arrivant, bon bah, quartier libre, bonne chance. Traditionnel. Veuillez remettre un pantalon, jeune homme. La salle tout en bas. Écoutez le directeur, s'il vous plaît. Silence. Merde. Allez-y, monsieur. Ouais, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ce jeune homme sans pantalon, c'était l'irrespect total. Je peux pas y aller tout de suite, faut que j'aille avec des gens. Chut, tu réponds pas. Chut, vous répondez pas au directeur. Moi, je vous souhaite une très bonne visite dans notre établissement. Je suis perdu par contre, sa grand-mère. Merci beaucoup, monsieur directeur. Et surtout, ne dégradez pas les lieux. Merci. Putain, mais on est. C'est où là ? Mais pourquoi ? Mais c'est bon, vas-y, je suis pieds nus là. Ça te va pas, les lieux. Mais frère, c'est impossible de se retrouver ici. Allez-y, visitez un peu l'endroit, allez-y. De quoi, non pas ? Si au Tokyo Drift Tuning, j'ai trop hâte. Bon, bah moi j'ai affaire. Où est la bibliothèque ? Je peux visiter, mais j'aimerais bien y aller avec quelqu'un. Pas ça. Oui, je sais très bien qu'il y a des livres ici. Bah au moins j'ai les trois. Hein. À quoi ça sert, je sais pas. Voyons, la lecture, ça mène partout. Regardez le lit, il est pas confortable. Ça attaque les mocassins. Franchement, lourdou. Oui, c'est vrai. Je dormais avec les rats. Ah ouais, lourd les mocassins. Tu fais le garde à vue. Ah ouais, très lourd. Mademoiselle Smith. Putain, mais par contre, je voulais vraiment les rejoindre. Je suis perdu, sa mère. Okay. Du coup, c'est quoi vos noms ? Oh, tu parles français. Oh. Moi, ouais. Bonjour. Tu veux aller à la bibliothèque ? Ouais, c'est où la bibliothèque ? C'est juste là. Mais c'est les gars, on dirait pas un porno. Oh, merci beaucoup. Il y a plein d'ouvrages si tu veux t'étudier. Mais non. Et, ok. Et il y a quoi dans le sous-sol ? Il y a un sous-sol ici ? Oui. C'est pas dangereux dans le sous-sol ? Un petit peu. Pourquoi ? Bah, il y a des créatures. Mais non. Si, il y a les gros rats. Ouais, je vais remettre. Wadashiwa, tout va bien. Les gros rats ? En italien. Comment ça, en italien ? Putain, tu l'as fait rire, la chance. Ouais, Les rats, c'est pour moi. Hein. Toujours raciste. Oui, oui. Les rats, c'est dans mon RP. On peut jouer ou pas ? En gros, ici, c'est la bête. Joe, j'ai un petit problème, Joe. Voilà. Ça veut dire, gros, t'as une touche. Mais Léona va faire ça dans les endroits. Bon, je pense qu'on va y aller. J'arrive pas à les retrouver, donc nique sa mère. C'est on fait les combats. Les combats quand ? Quand t'es puni. Ah ouais ? Toi, t'es un élève ici ou t'es un surveillant ? Élève. Ah ouais ? Ouais. Et quand t'es puni, c'est comment ces combats ? Comment ? Et c'est le directeur, mais les gens les moins. Ouais, c'est moins. Même nous, vu qu'on est américains ? Ouais, vous dormez ici. Ouais. Ok. T'es fort en combat ? Ouais. Tu peux m'apprendre des techniques ? Moi, je peux t'apprendre des trucs avec la voiture. Tu vas faire le tuning ? Ouais. Ouais. Bah vas-y, tu m'aideras, comme ça j'aurai des bonnes notes. C'est quoi en échange ? Bah moi je t'aiderai dans ce que tu veux. Avec les filles ? Vas-y, avec les filles si tu veux. Alors je t'apprendrai à être un petit peu meilleur en voiture. Mais vas-y. Tu seras pas meilleur que moi, hein. Impossible.
Ah, on peut pas passer de toute façon. Eh, hey, il veut que je te tape, pourquoi il veut que je te tape? Qui ça? Il m'a dit, va lui niquer sa gueule, à lui à l'intérieur. Qui t'a dit ça? Bah le... celui en t-shirt jaune là, le japonais. C'est quoi cet endroit de fou là? Justement, il m'a dit de frapper le mec habillé en américain. Et je crois qu'il y a, il y a pas mieux que toi. On est d'accord qu'on l'écoute pas. Moi je pense qu'on fait l'inverse de ce qu'il nous dit. Donc on se tape pas. Non, qu'est-ce ouais, toi on se tape pas. Bah viens, on l'encule lui, on le dit, on a fini. Ouais, vas-y, vas-y. Et on l'encule. Je la ramène là et tu l'arraches. Putain, vous avez débarqué à combien là? Ah bah il s'est barré. T'inquiète, je vais le retrouver. Vas-y. T'as l'air d'aller toi. Ouais, ouais, bah bientôt je vais habiter en Amérique alors va falloir que ouais, je m'acclimate. Viens voir vite fait, monsieur. Mon ami, l'élève. Ouais. Salut, c'était Tsuo. Ouais, moi, allez, ouais. Vas-y, parle de toi. Viens, viens, viens. Ouais, c'est mon école. Et vous venez faire quoi là? Par squatter nos locaux? Correspondant, putain. Je crois que c'est l'heure du combat. C'est l'heure du combat. Hein? Ah, vous voulez me la mettre? Rien découvrir du tout. Bah, tu veux qu'on se tape entre nous? Nous, on te tape à toi. À Tsuo. Ça nous apprend des trucs américains. Et je te le repasse. C'est l'heure du combat. Vas-y, fais la passe. Tu m'as vu, tu m'as vas-y, vu. Vas-y, c'est à toi. Tiens, tiens, en profondeur, tiens. Club, par contre, regarde, c'est du bois tout autour de toi. Donc, si tu fais tomber ta clope, tout prend feu. Ah, tout de suite. Hein? Bis. Écoute, il y a plein de passages. À ton tour. C'est bon. Vas-y, bébé, on se casse. On se casse, on se casse bien. Ça regorge de secrets. On va lui apprendre à lui. Tu dis rien. Dis-moi, jeune homme. Oui. Eh ouais, mon pote. J'ai pris ce qu'il nous en a besoin, t'inquiète. Quoi, figure-toi que c'est la caverne d'Ali Baba ici. Ah ouais, bah ouais, faut fouiller là. Ah oui, j'ai vraiment fait les courses. T'as trouvé quoi là? Alors, à peu près quelques kits de crochetage. Ah ouais? Trouvé... Ouais. Ici même? Voulais... Ouais, tiens des. Non, pas toi. Et celui là, tu me le rends pas, il est cadeau. Hein. Vas-y, vas-y. Si tu l'avais des trucs, tu me dis. Je vais appeler le professeur. Salut, il l'a fait. Salut. Pas salut. De soucis. Putain, moi, j'ai trouvé des vieux livres, frère. Dégage. J'ai trouvé des dessins dégueulasses. Comment ça? Non, y a pas de rat. Ah bah non. Ouais, c'est la même salle que tout à l'heure. Oh, un petit furet, comment ça va? Rien du tout. Mon ami. Je suis pas un putain d'américain, c'est tout. Ça, c'est un dortoir, ça. Des brogies. Ok, ici, c'est des dortoirs, il y aura rien. Il a pété le putois. Ah, ça pue. Oh, bah, ça sent comme à la ferme. Ouais. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez là? Bah, rien, on cherchait la cantine. Putain, toi, ça se voit, t'es un américain. Hey. Bah, alors, on cherche? Non. Non. Et toi, on cherche? Moi, je cherche, moi. Ah, bah, viens, je te fais voir. Vas-y. C'est du whisky chinois. Et quelque chose. Mais elle l'a pris. Là. Il a dit qu'apparemment, il fallait mettre un roux. Et le sacrifier. Non, mais là, tu peux faire ça? Non, moi, il m'a pas dit ça. Il m'a dit qu'il faut aller se battre ici quand on est puni. Non, c'est un menteur. Moi, j'ai vu un gars et il m'a donné une information. Il m'a fait voir un bouquin. Il m'a dit qu'apparemment, il faut mettre un roux ici et le battre. Tu l'as le bouquin alors? C'est lui qui me l'a montré. Je l'ai dû Tout le temps, tout le temps. C'est tout. Mais j'ai dû lui rendre. Les gars, j'ai une info. Quoi? Oui. Attendez. Parlez doucement. J'ai discuté avec un mec d'ici et il m'a dit que c'était un très très vieux bâtiment. Et qu'il y avait énormément de secrets. Et j'ai déjà trouvé quelques trucs à fouiller. Et il y a des gens qui ont déjà trouvé des trucs, je crois. Ouais, il y a plein de trucs qui ont été trouvés déjà. Bah, faut pas perdre de temps. Okay. Je sais pas quoi, mais... Apparemment, si on faisait avancer sur ça, ça pourrait avancer le reste. C'est la caverne. Yellow, t'as vu des trucs? Ah, c'est à force de conduire. Là, j'ai pas le temps là, faut que j'explore sa mère. Ouais, en fait, faut que je remonte parce qu'en bas, c'est bon, je connais par cœur, frère, maintenant. Elle est classe 4, je la connais. Yellow! Ouais, Yellow, il cherche le brune. Va arriver, t'inquiète. Bah toi, tu sais pas te dire, ça va faire là.
La Patoche, t'es un abuseur, Patoche. Putain, frère, j'en ai marre, c'est tout le temps le même truc. De sport et alcoolique en même temps, c'est pas compatible. Je crois que c'est obligatoire, hein. Pour les prendre de sport, faut être... Encore la bibliothèque, frère. Moi, je suis américaine. Attends, tout est possible. Comment tu veux supporter? Non, c'est là que je viens. Non. Oh, c'est là. De tenir le volant. J'ai compris la forme. Oui. Ça, j'aurais dû me servir. Okay. Ah oui, je faisais pas référence aux Chinois ici. Ah bon. Mais bon, si chacun son tour, tout le monde il a été raciste avec moi. Si à mon tour, les Chinois ils vont y passer. Qui a été raciste avec toi? Il est malade ce mec. C'est incroyable. Eh, t'as trouvé quoi ici? Rosa, trouvé du tout par la Starbar. Ah. Et toi, tu as trouvé quelque chose toi? Non, rien. Mais vous avez pas une valise quand on était sorti? Si... Non, je... Bon, mais très bien, bienvenue et profitez bien de ce voyage au Japon. Merci monsieur. Ça va, Brandon? Ça va? Fais quoi? Bah rien, je regarde. Viens, on visite l'école ensemble. Vas-y. On parle un peu, ça va nous faire du bien. Ouais, par exemple dans cette. Eh, t'as un flow de OG, hein. Attends, c'est staff. Only y avait écrit. D'accord. De quoi? Staff quoi? Il y avait écrit staff only. Ouais. En gros, staff uniquement. Moi, on m'a dit que t'avais trouvé des trucs, t'as trouvé quoi? Bon ça, trouvé quoi? Ah merde. Oula. Ouais, je suis dans comme un psychopathe. C'est moins chaud. Ah, 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 t'as voulu me péter la gueule avec le rouquin? Eh, laisse-le. En dessous. Laisse-le. Fils de pute, toi. Fils de pute. Eh, voilà, il a déclenché sa mère. Chien, moi. Ah, s'il te plaît. Je t'ai rien fait, moi. Putain, mes lunettes. Viens là, sale merdier, va. Vas-y. Viens, on l'enferme. Viens, on va l'enculer. Je vais rien faire en plus. Oh là là. Pas dans le temps, toi. Pas dans le temps, toi. Et. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu vas me retoucher encore une fois. Et la prochaine fois, c'est la mort qui t'attend. T'as compris? Vous pas honorable. Vous n'êtes pas honorable. Vous n'êtes pas des arabes. Pas le baka. Non. Bah, dis quoi? Honorable. Bah, si, honorable. Bah, comment ça, on n'est pas honorable? Vous savez pas vous battre honorablement. T'as demandé. On sait se battre honorablement. Bah, vas-y, regarde. Fais un 1v1 contre lui, tu vas voir. Un contre un. Ok, viens. Tout de suite. Ah, quoi, regarde, un, deux... Vas-y, tu l'as. Ouais, c'est bien, continue comme ça. C'est honorable, là? On t'a dit quoi, là? C'est honorable ou pas, là? Muscle ton jeu, Robert. Merde, pardon. Oula. Kevin, ça va? Tu mets genre un égo de cigarette, gros. Désolé, Brandon. C'est l'adrénaline. Cigarette sur moi. Ah non, j'en ai plus, putain. Je vais sortir dehors, les gars, je pense. T'as des raisons, gros. On aurait dû ouvrir le local, on prend le bidon de kérosène et on brûle sa mère à l'école. Putain, mais ça aurait été incroyable. Ouais. Monsieur, putain. En plus, ça aurait fait la une des journaux. Ça aurait passé, ouais, des Américains. Eh, ça va, Brandon? Oh, tu cognes fort, putain. Bon, monsieur. Eh, vous êtes... Bon, maintenant qu'on est entre nous deux, tu vas nous donner quelque chose qui va nous servir. Donne-nous un katana, quelque chose comme ça. Je sais pas, vous avez pas des trucs ici. Donne-nous quelque chose et on te laisse partir. Donne-nous un secret dans l'école. Donne-nous quelque chose, un secret. Un secret. Truc que... On veut être au-dessus des autres. Nous, un secret et on te protège après. Et après, on a ta protection. Ouais. Vous avez fouillé le bureau du directeur? Ici? Il est où? Oui. Guide-nous au bureau. Montre-nous, il est où. J'ai pas le droit de vous montrer, si on va par là-bas, le directeur va me niquer ma race. Non, tu nous montres juste où. Viens, accompagne-nous et dès qu'on arrive devant, juste... tu pars. Attends. Oui, donc là, vous avez le dortoir principal. Quoi? Non, c'est à force de tenir les volants. Ok, parlez doucement. Vas-y. On te suit, vas-y. Vas-y, on te suit doucement. Eh, marche de loin et on te suit de loin. Vas-y. Attends un peu. Bah ouais. C'est quoi? Oh, c'est magnifique l'architecture. Ouais, j'aime bien. À force de tenir le vol. C'est vraiment magnifique. J'ai fait beaucoup de courses. Il y a des livres partout en plus. J'adore ça. C'est incroyable. Ouais, j'aime bien aussi, moi. C'est magnifique. Ouais, pas mal. Ok. Ouais, ici c'est pas mal. Ça, c'est du bois. C'est du chêne, je pense. C'est du chêne mou, je crois. Ouais, du chêne mou, oui. C'est du chêne mou. Je crois que vous allez. C'est du chêne mou. J'ai parfait. Ah non. De la l'abracnide ancestrale. J'ai buvé d'alcool. Oui.
Et là, vous pouvez aller sur Internet et vous pouvez, vous pouvez aller sur tous les sites. Il n'y a pas le contrôle. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. On visitait justement l'architecture du bureau. Vous êtes le principal. Quoi, Bachif, t'as bu l'alcool? Vous avez dit quoi? Vous êtes le principal? Non, non, je suis pas le principal, moi. Vous êtes quoi? Vous êtes un professeur? Moi, je suis un élève. Un élève? Bah oui, je suis un... Comment ça, je passe 50 ans, moi? C'est foutu de notre gueule, je comprends rien ce qu'il y a dans l'ordinateur. Mais il n'y a rien d'ordinateur, il joue à League of Legends. Mais si, j'essaye. L'autre fois, déjà, il a mangé du jambon à la cantine. C'est Ganesh. Brandon. Écoutez-moi. Il nous a baisé. Hey, il s'est foutu de notre gueule. Hey, qui vous a baisé? Vas-y, dites-moi. L'élève avec un polo jaune. Ouais, il nous a insulté, il nous a mal accueilli. Le blond. Il nous a frappé aussi. Est-ce que tu peux nous venger? Écoutez-moi, ici, c'est mon école, d'accord? Ouais. Donc c'est moi qui fais la loi ici, je vous le dis. Ouais. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que vous c'est faites? Moi, je vous le dis. Eh, il a dit. Quoi? T'es le boss d'ici, quoi. Il a dit quoi? Non, non, il a rien dit. Bah, il a rien dit. Apparemment, t'es le boss. Bah, montre-nous que t'es le boss. Bah, ouais, montre-nous que t'es le boss. Comment ça, je vous montre que je suis le boss? Bah, montre-nous, donne-nous un secret, un truc de fou qui se passe dans cette école. Ouais. Je suis déçu parce que je le prenais pour un boss, mais il a rien dit. Ouais, bah, ouais, en fait, c'est un mec qui veut se faire passer pour un boss. Parce qu'en fait. Écoutez-moi. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, attendez, on l'écoute. On doit se regrouper, Vite, vite. Écoutez, quand je viendrai vous chercher, je vous montrerai des pièces secrètes. Vas-y. Ok. Par contre, immense. Je me disais que ça sentait la queue, vraiment. Il me fait goûter le whisky. Ouais. Quand on aura fini l'activité, on se retrouve tous les... Vas-y, au même endroit. J'ai... La salle où on est allé, je sais pas si t'as vu, il y avait une carte sur la table, peut-être ça veut dire quelque chose. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Allez, aussi. Tout le monde au centre. Vas-y, viens, on se pète après. Vas-y. Au centre, tout le monde, s'il vous plaît. Vas-y, chauffer les véhicules. Alors moi, je suis de gauche, je reste à gauche. Ouais, vas-y. Ouais, et c'est ce que tu m'as demandé tout à l'heure. S'il vous plaît, vite, ouais. Tout le monde. Ça va, comme d'hab. Autant que tu veux. Allez, les enfants, on y va, on accélère. T'as compris? Ma famille, ça va, coach. Tu veux Ken? Non, mais. Brandon, écoutez, je vais vous donner une mission. Oui, si vous me ramenez, écoutez, si vous me ramenez tous les élèves au centre, je vous donne 10 points pour votre classe. Ah, mais je m'en fous de ma classe. Eh, venez là, vous cassez les couilles! Ah! Il y a tout le monde là. Vous savez, j'ai fait quoi, Aziz? Ah, oh frère, donne-moi un shotgun, donne-moi un couteau. J'ai bu l'alcool. T'as bu du saké? Non, ça se fait pas, c'est pas bien ça. Amine, est-ce que vous voulez récupérer 30 points? Parce que t'as raison, Bachir, je laisse 10 secondes. 10 secondes pour aller tout le monde ici. Bachir, c'est pas bien. Donne-moi un poteau, Bachir. Non, vraiment, Bachir, tu pars en couille. Ouais. Ah bah c'est bon, voici Nova, on a fini. Après, il s'acclimate au pays où il est après. Non, c'est pas bien, faut pas partir comme ça. Je vais aller en France, je vais manger jambon. Jambon? Peut-être qu'il aime bien. Mais tu manges les côtes de porc au caramel à l'école? Mais les gars, j'adore ça. C'est le bon caramel. Mais les gars, Ganesh, c'est un pointeur. Ouais, ça, on sait. C'est un gros pointeur. C'est abusé. Oui, monsieur, excusez-moi, je fais ça. Alors, le groupe 1. Vous mettez sur ma gauche. C'est qui le groupe 1? Allez, on accélère. Groupe 1 sur la gauche. Nashishibu Nato. Bobby, j'avais misé sur toi. Pourquoi il me colle, lui. Et groupe 2, vous avez cours de pêche. Entendu? Oui. Je suis groupe 2. Voilà. Vous allez sur la droite, cours de pêche. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. Vous restez sage avec les personnes, d'accord? Il est où, Bobby? Oui, bien sûr. Là, vous les respectez, vous restez sage. C'est pas il est où, l'autre Bobby? Allez, on y va, allez-y, c'est parti. On commence à perdre des gens, on n'a pas fini. Monsieur Ganesh, il manque du bio pour le cours de pêche. Je suis là. Le cours de pêche, donc sur la droite, et le cours de tuning à gauche. Allez-y, merci, monsieur. Ouais, amis, je vous accorde dedans. Le cours de pêche, c'est le groupe 2. Ouais. Vous n'êtes pas dans le bon endroit, monsieur. Mais donc, nous, on est à droite, nous. Bah attendez, je crois qu'il y a les groupes qui se sont mélangés là. Non mais monsieur, Bobby, nous on a échangé. Vous pouvez faire les groupes. Je vais faire le groupe dernière fois. Allez-y, mettez-vous au centre là. Mais pourquoi c'est à votre gauche à vous ou les nôtres? Moi j'ai échangé avec Bobby, moi. Pourquoi? Le groupe. Moi je lui ai dit de refaire les groupes, il m'a pas écouté. Vous êtes bizarre, toi. Mais non, pas refaire les groupes. Écoutez, les groupes. Silence, s'il vous plaît. Écoutez, ça va être vite. Ça va être très vite. Groupe 1. Kefta Mouloud, sur ma gauche, vite. Je suis déjà là. Parfait, vous allez suivre. Ok, vous. Cletus, avec Kefta. Je suis déjà là. Ensuite, Kevin. Madame Kuhn.
Keiko, elle est absente. Oui. Suzy. Moi, je suis un gars. Bobby, l'univers. Bobby, l'univers, je veux. Mm-hmm. Yellow. Et vous me trouvez BG ouais. ou pas? Kirby. Gaijin. Ouais. Jordan. Brandon. Bah, j'ai. Ouais, ouais. Ok. John. Et Bobby. Okay, l'univers, cool. John Sourdou. Plus tard, tous les deux ouais, dans la soirée. C'est bon, il est là-bas. Et ensuite, Nova. Voilà. Il m'a échangé et le reste pour mettre groupe 2, merci. Allez, on y va. Mais on va ou pas? Allez, c'est parti pour le tuning, mon pote. Va dehors, je pense dehors. Faut attendre le prof, là. Ah, écoutez, okay. Vous allez à pêche. Et lui, il est sorti de la PlayStation, ce bâtard. Putain, sa mère, c'est trop bien, ça. La pêche, moi, j'adore les grosses. Il est sorti de la PS. Ah, la pêche, au moule. Non, mais rien à voir. Pourquoi pire groupe? C'est bio, faudra l'emmener avec la limousine. Mais si, mais c'est mal. Gros, il y a Paul de Tekken, il y a l'autre frère, c'est un mec qui sort du clown, un mec qui sort du cirque, on sait pas ce qui se passe ici. Mon sang, on se pense ici. Ah, heureusement que je suis là. Heureusement que t'es là, Yellow, à deux. Il a la même tenue que dans Gantz. Peut-être la faire, les gars. T'es un baiser, toi, tu sais tout ce que je sors ta gueule. Qu'est-ce qu'il peut te lancer? De fou, c'est nous, on doit dire que t'es bizarre. Ça va qu'on s'en fout. T'as honte, toi. On va te mêler, hein. C'est vrai qu'on s'emmerde dans ce groupe. Eh, y'a pas tes petits copains là. Prêt à payer tout ce que j'ai pour changer de groupe. Et bah allez, vous faire enculer, changer de groupe. Voilà, allez, vous faire enculer, au pire. Ok, bah je change, vas-y, c'est là, maintenant. Ok, bon, on va changer de groupe. On va en boîte après. On change de groupe. On s'en va en boîte. Ouais, tu dois aller là-bas. Et tu m'as dit qui doit aller là-bas? Amine Zebio. Mais c'est pas moi, t'inquiète, j'ai un américain. Tu viens avec moi, ta cour de pêche personnalisée avec le professeur, viens. Merde, oh. Pourquoi pas, on verra, Mais non, vas-y, on verra. Ah, t'es mort. L'autre, oui. Bah, force à toi. Ah, t'es mort. Oui, non, c'est sûr. Tu peux me servir un whisky, s'il vous plaît? Barman, je suis dans le pêche, moi. Hein? T'aimes bien? Vite, c'est quoi? J'ai l'air d'un serveur. Ah, je sais pas, oui. T'aimes bien pêcher? Oui, vous mettez pour moi deux bières. Tu pêches souvent, toi? J'ai bien, moi, je suis. Ou quoi? De détruire. Ah, monsieur, je peux avoir une clope, s'il vous plaît? Moi, je suis plus pêche. J'en ai plus, il faut que j'en trouve. Ah, merde. J'aime bien poser des grosses pêches. Non, oh, c'est pas possible. Ah ouais, non, bah là, je suis Léo, tu pars en couille, ma petite. Léo, elle part en cacahuète. Léo, elle va tourner dans votre groupe. Mais hé, elle s'est réveillée ce matin. C'est où, Léo? Tu l'as pissé dans votre groupe. Elle va tourner dans votre groupe. J'ai rien fait du tout, toi. Mais vous changez avec quelqu'un. Non, vous changez pas avec quelqu'un, putain. Ça fait 4 jours on organise ça. Donc vous retournez dans votre groupe. Mais cassez les couilles, vous. Mais il est où, notre groupe? On est dans notre groupe. Bah non, on est là, on attend. On est là, on est dans notre groupe, nous. Il est où, le professeur de pêche, là? Viens, ouais. Nous, John. Ah, c'est John, sérieusement. John, va dans ton votre groupe. Mais monsieur, vous êtes sur mes côtes en vrai. Non, je suis pas sur votre côte, c'est que vous faites chier tout le monde là. Donc vous retournez dans votre groupe, y'a pas d'échange. Ok, bah alors. Le groupe 2 là. Allez, va dans ton groupe, John, bordel. Amuse-toi bien, sale bâtard, amuse-toi bien. Va dans ton putain de groupe, c'est impossible de pas être organisé comme ça. Oui, c'est n'importe quoi. Toi, je vais t'enculer, toi, vraiment. C'est pas croyable. Mais non, toi, tu es chill, n'importe quoi. T'es un groupe, tu y vas, c'est tout. Oh, Brandon, arrête tes conneries, respecte-moi, voilà. J'ai commencé à s'énerver là. Ah merde. Mais non, vas-y. On nous a dit d'aller à gauche, mais personne ne nous écoute. Écoutez. C'est bon, on est là. Écoutez, ceux qui changent de groupe sera viré pendant quelques jours de l'école, d'accord? La grammaire, c'est pas ça, hein. J'apprends le français il y a pas longtemps. Désolé. J'apprends le français. Bah non, mais tu parlais bien. Je suis Jiri Agadesh. Tu devrais remettre ton masque parce que t'es bien. Monsieur Zobio, combien de fois je vous ai dit d'enlever votre. S'il vous plaît, respectez vos groupes perso. D'accord, respectez. C'est compris. C'est quand qu'on part faire du teleg, bon. Bon, ça va faire tout dégoût. Je t'ai goûté. S'il vous plaît, respectez-les. Merci. Allez-y. Ça va, on va faire teleg, bon. Il y a un fils de pute qui n'arrive pas à lier deux mots. J'apprends le français. J'ai pas de chance dans ma vie. Mais j'ai une question, c'est quoi le problème avec le groupe? Non, mais c'est pas toi le problème. C'est qui le problème? Ah, c'est quel le problème? Vas-y, parle, vas-y. Ouais, on va le régler. Vas-y. Ouais, le groupe 2, viens dès là. Ah, monsieur Macartier. Non, le groupe 1, mais c'est pas le groupe 1 ici. Oui, y'a rien finalement, ouais. J'adore le groupe, j'aime bien. Ah, merci. Ça fait plaisir. Oh, content ah, d'être ouais, avec vous. Putain, trop heureux, trop heureux. Ça t'arrache la bouche, hein, putain. Bon, on y va. C'est qui? Bah, les japonais là, les deux japonais, non? Bah, non, c'est des élèves, abruti. On attend le. Bah, et alors, ça peut être. Ils peuvent connaître leur cours, abruti. Je croyais que c'était. Je suis pas un abruti, t'es un abruti. Non, on est des élèves, on attend. Les gars, un triple abruti. Les refs, calmez-vous. Après, il reste que déjà, on n'est pas chez nous. Ta gueule. Les gars, calmez-vous. T'es un cinglupe, abruti. T'es un sextuple, abruti. T'es un septuple, abruti. Sinon, t'as dit laquelle? Octobruti. Vas-y, t'es un nano-bruti.
T'es un âne, juste un âne. T'es un âne et un abruti. T'es un âne abruti. Eh, vas-y, Brandon, viens par terre, 2 minutes. Mais c'est bon, rigole. Ça change quoi? Ça change quoi? On dirait que le chemin, il va s'élever devant nous si je me tais. Eh oui, on passe le temps. Les gars, genre, vous donnerez pas tout pour avoir un âne cheese? L'art des quoi, tu veux quoi? Mais vous avez déjà goûté les cheese nan ou pas? C'est bon, ouais. Non, c'est quoi, man? Quoi les cheese nan? Ah non, mais je suis baisé, on baisse sa mère. Ah non, mais je suis baisé. Quoi les cheese nan? C'est quoi les cheese nan? C'est pas être avec toi. C'est Ganesh. Ah non, je suis un baisé. Je crois qu'on était humble. Ah non, non, non. Ouais, c'est pas ici. Il est malade, ce mec, ouais. Bon, on y va ou... La fusille l'ambiance. On fait quoi là? Venez, on va aller, venez, venez avec moi, on va aller, on va sortir. Allez. On va aussi là? Oui. Allez, c'est parti. Allez, les man, venez. Ça va bien se passer. Bah oui, ça va bien se passer, t'es dans le groupe. Oh mon petit. Nova. D'amour, chéri. Non, pas d'amour. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Merci. Partez, Bacha. Comment ça, pas d'amour? Les gars, t'as pas besoin avec moi. Merde, j'ai pas reposé. Que de l'amour entre nous. Que de l'amour, Brandon. Allez, on y va, on va y aller. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je suis pas en recherche d'amour. Oh, t'as vu, j'ai pas de partenaire. Ça va être un cours de tuning. Le groupe 1, venez avec moi, le groupe 1. Le groupe 1, venez avec moi. Qui m'appelle? Moi, c'est moi. T'es rose pas quand se parle? Pourquoi tu réagis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais je lui ai dit que je veux pas être amoureux. Mais non, mais y'a R, y'a R. Attends, Bon, juste, pourquoi avec le groupe t'es comme ça là? Pourquoi tu... Mais non, mais parce qu'il y a les autres abrutis là qui parlent bizarrement, ils me rendent fou, moi j'ai pas envie de passer la journée avec eux, c'est ouais, tout. Ouais, mais juste respecte au moins pour les autres, t'as vu? Ah ouais, mais c'est pas pour toi, moi je suis content d'être avec toi. Ouais, ils se font tous écraser, putain, j'en peux plus déjà. Let's go! Elle est jolide, elle est jolide. Yo, ça va les profs ou quoi? Allez, bon, venez. Non, encore ce bus. Ah, c'est bon. Oh! J'ai pas remis les feuilles, frère. Ah bah là-bas, le prof de plastique, je crois qu'on fait cas. Non, écoutez, c'est juste qu'on va partager les places. Putain, ouais. J'arrive pas à rentrer. Ah bah t'es où sur mes genoux, c'est bon. Passe la porte, Kirby. Non, c'est toi qui viens sur mes genoux, man. Pas l'inverse. Eh, t'as tellement de pecs, sa mère, tu passes pas la porte, c'est un truc de fou. Eh, mais je la passe vraiment pas. Je la passe hop. Allez, Elle a la grosse peau. Mais big girl, viens sur mes genoux. Est-ce qu'il y a des gens du groupe 2 ici, là, s'il vous plaît? Non. Non, que le non c'est le groupe A ici, ouais. S'il y a des gens du groupe 2, c'est vraiment, c'est pas cool, hein. Dis-le si t'es du groupe 2, mais je pense pas. Non, c'est bon, t'inquiète, tu peux. Non, je pense que c'est bon, ouais. Ouais, t'inquiète. C'est parti, Shibuya, les amis, on va faire des drifts, comme dans Tokyo Drift. Ah, c'est ça l'ambiance dans le bus, là. Pardon. Ah, gars, en fait, on a fait un long voyage, t'as vu, on est un peu fatigué. Ah, je suis fatigué, moi, là. Ah, ok. Moi, je suis mort. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, bah, tranquille, hein. le flop, il était drôle au moins, bâtard. Attendez, ouais, vous êtes tous, c'est déjà ça. Bah ouais. Accélère, chauffeur, t'es prof de tuning ou... Eh, hey, chauffeur, c'est normal, tu roules en sens inverse, bâtard. Attends, s'il te plaît, 2 minutes. Ok, carré. On va attendre, au calme. Il y a des boîtes de Doliprane qui vont se perdre à la fin. Comment ça, toutes les voitures sont en sens inverse? Mais non, parce qu'on roule à gauche. Y'a aucune voie qui est dans notre sens. Mais c'est pour ça, parce qu'on est à droite GPS, là. Là, t'es là. Hey, on a un sens unique. S'il vous plaît, un petit peu de respect pour l'organisation. Ta gueule, ouais, mais si on est un sens unique, pourquoi y'a des voitures derrière nous là? Est-ce qu'il a dit ta gueule à la prof d'art plastique? Ouais, par contre, j'avoue, celui qui a dit ta gueule. Est-ce qu'il y a des gens du groupe 1 ici? Moi, je m'en fous, moi. Oui, c'est le groupe 1. T'as déjà la mâchoire déplacée, mon gars. Oui, on est le groupe 1. On est le groupe A au cours de Tuding. Ah, ça donne la groupe A quand on te lègue, ça donne. Tous ceux du groupe 1 descendez, s'il vous plaît. Tous ceux du groupe 1 descendez. Mais comment ça? Mais c'est tout le bus. Mais oui. Allez dans la rue en face, à droite, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est tout le bus. Non, mais ça, c'est un guet-apens, ça. Et sortez les armes. Ici? C'est trop stylé, c'est trop stylé. Les gars, venez, venez. Les gars, venez, faut rester là, faut rester là. C'est cours de survie, là. Mais imagine, ils veulent nous abandonner. Non, ils veulent nous suriner, ces bâtards. Bah, vous avez des couteaux là? Vous avez des couteaux? Wouah, matez la caisse! Bah, là, bon. Mais oui, je suis là pour vous encadrer. C'est à vous, monsieur, vous avez fait lock? Ouais, bah vous savez quoi? Quand on est japonais. Enfin, non, je suis professeur de japonais, je suis devenu beaucoup de fois au Japon. Je peux rentrer pour voir commencer à l'intérieur? Allez, viens, Brandon. T'es le plus respectueux. Pousse-toi. Allez, on revient à l'école, sinon je pense qu'on va devoir revenir à l'école, ouais. Mais tout ça, on est parti.
Attention, notre ami en jaune. Je m'attache. Accrochez votre ceinture. C'est bon, vous pouvez y aller. Ça reste le secouer légèrement. Allez, c'est parti. Venez, on attend. Bah ouais, je pense qu'il faut attendre. Hein. Mais il se passe quoi là? Non, là, je pense qu'au vu de l'organisation, je pense que là, c'est tout le monde là. On a rien fait là. Oui, je pense. On a pas de bus. Mais on fait comment pour rentrer, monsieur? Non, mais l'école est à 100 mètres. Hein. Non, on a fait que de suivre. Ouais, on n'a pas avancé beaucoup. Ah, monsieur, vous suivez. Au pire, vous suivez. Suivez. Par ici. Non, non, je pourrais pas profiter de la super vitesse. J'ai tellement bien. Oh, Lydie! Vous arrivez. Wouh! Alors maintenant, il faut juste que je retrouve l'école. Ah, je crois qu'on est dead. Il me semble que c'était derrière, non? Oui, non, je ne suis pas perdu. Ah non, mais ça se voit que vous êtes pas perdu. Non, là, je m'entraîne avec la voiture, quoi. Ça va. Mais on va où, là? Ah, tout noir! Faut suivre la voiture! Eh, on est des pikmin! Baka! Baka, comme dirait Brandon, voilà, dealer! Konoyaro! Je vais refoutre mes l'école. Elle est où l'école? Bah oui, elle est là, non, l'école. Non. C'est pas mais juste là, l'école. C'est pas ici, l'école? C'est pas là vous du tout. Vous êtes perdu, professeur. C'est comme tout à l'heure. Vous êtes encore perdu. Mais non, il n'est pas perdu. Il voulait juste Tokyo, mais pas Shibuya. Hein, il voulait juste nous faire le tour de Shibuya, c'est on tout. On va se faire passer, professeur, à cause de ça. Eh ben... Écoutez-moi, c'est tout droit. Eh vite, il pleut là. À droite. C'est pas à droite? Mais on sait pas c'est par où, monsieur le prof de théâtre. C'est tout droit. On va retourner tous à l'école là. Monsieur le professeur, arrêtez de faire n'importe quoi. On va retourner tous à l'école. C'est où? Mais putain, c'est juste derrière. Vous en venez là. Vous êtes mignons, c'est la première fois qu'on va à Shibuya ce midi, alors calmez-vous. Mais c'est pas l'intérieur. Ah oui, on avait sauté ça. Rentrez à l'intérieur là, dépêchez-vous. Il pleut tout le temps ici. Non mais en fait c'est le bus qui nous a abandonné hein. On va retourner tous à l'école. C'est des ouf.